Buenos días todo el mundo. Estoy aquí, el profesor del mundo. Bonjour, 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 bonjour tout le monde, tout beau sal, beau sal les yeux. Er professeur del mundo, entre dans le monde là. Je dis là, c'est un moment extraordinaire parce que nous avons un débat contradictoire avec un camarade nous gagnant qui c'est John Wesley Delva. J'espère quand même qu'il va honorer sa parole. Bon, de toute façon, il est à midi après temps nous et nous gagnons le professeur Herbert Joseph qui est modérateur pour nous. C'est lui-même, bien entendu, par souci d'impartialité et de partisanerie, qui pourra aller venir assurer la modération du débat, et c'est lui qui pourra le permettre à ce que lui pourra non seulement établir les règles, ok, dans quatre débats, ça, mais aussi c'est lui-même qui pourra le mettre en place, bien entendu, chronométrer chaque monde qui vient pour lui parler. On continue à avancer. Et maman de nous, ou même qui là, qui est en bas live là, maman de pour tag et professeur Herbert Joseph, et moi ici Tadli avec et camarade là, John Wilson Delva, tag you pour qu'on réponde avec invitation. Oui, et bénissons
dit bon écoutez jusqu'à maintenant là nous connais yo poko John Receiver va poko tag pour qu'on répondre présent so n'a suivi toujours parce que le débat supposé commencer à midi et une persécution homme qui était by parole la honoré li de toute façon et nous gain n'a gain avec nos professeur Herbert aussi qui sera notre modérateur c'est lui même qui va définir les normes qui va définir ensemble de règles qui va gouverner le débat contradictoire ça. Et pas oublier thématique je dis hein, c'est rhétorique et la politique rhétorique et politique et chaque nèg pour avancer thèse par yo et ceci n'a gain rubado on va faire gain des argumentations grand nombre de temps bon écoutez bon c'est bon cadre déjà qui déjà défini pour permettre faciliter un débat contradictoire et moi dis nous déjà bienvenue dans le débat ça. Et bon, avant de commencer, m'a font un petit rappel, m'a font un petit rappel pour tout le monde sur un philosophe que m'apprécie en pile qui était un cynique. Philosophe ça c'est Diogène de Sinope. Monsieur en quelque sorte il était en 404 à 323 avant Jésus-Christ. Et bien monsieur c'est un philosophe qui était vraiment choqué société grecque là à l'époque, la société antique de la Grèce. Et monsieur était gagnon, était toujours à marcher avec une lanterne ou bien un bougie dans main qui présentait le visage citoyen de l'époque, vous savez la Grèce antique. Et bien monsieur, il était à chaque fois au demandé qui ça l'a fait, il dit la chercher un homme honnête. Vous savez, il était qualifié monsieur de cynique. Alors, je suis capable de dire monsieur c'est un père fondateur du cynisme et en quelque sorte parce que monsieur était rejeté, ça a été relié concept qui a rapport avec les bonnes mœurs ou bien les bonnes manières. Monsieur était considéré comme étant des mensonges et taponné la sincérité totale. La sincérité totale en tout temps et en toutes circonstances. Alors, vous savez que il y a un professeur de philosophie m'était gagné en Haïti c'était monsieur était considéré tête aussi comme étant un cynique. Alors faut me dire nous tout que monsieur c'est un nèg qui était bon goût pour la philosophie. Monsieur était initié dans la philosophie à l'université. Il était considéré monsieur comme étant un grand homme à penser. Well, so basically je dis à nous, n'a bien opportunité pour nous gagner avec nous, bien entendu, John Will Sildeva. Moi, même thèse que m'balle défendre, bien entendu, m'balle défendre thèse moi comme étant la bêtise, m'balle dit bien, ok? La rhétorique, c'est une bêtise langagière pour masquer bêtise réelle de nos politiciens. Alors, c'est ça thèse moi, une thèse bam que m'avance. Ok, rhétorique là, c'est une bêtise langagière pour masquer bêtise réelle politicien ou a fait dans vie de nous. C'est simple, ça c'est thèse bam, on va venir avec des arguments, on va venir avec des données, on va venir avec des faits pour me supporter thèse moi. Ok,
Et ceci, d'accord avec n'importe monde, maintenant il revient à camarade là pour venir avec une thèse contradictoire, une antithèse, ouais, Yves Doristal. Merci, Yves Doristal c'était professeur de philosophie, moi, il était initié. Bon, d'ailleurs, je considère quelque part que Yves Doristal, c'est un monde fou. La folie, je dis Yves Doristal, parce que le langage philosophique, lui, c'est un bagage extraordinaire, il n'est pas donné à tout esprit pour arriver à percer la grandeur de l'esprit du professeur Yves Doristal. C'est une raison que vous êtes capable toujours de se croiser Yves Doristal. Si vous n'avez jamais été initié à la philosophie, si vous n'avez jamais été initié à la pensée, c'est à la pensée critique, c'est normal pour considérer Yves Doristal comme étant un monde qui est fou ou même dépourvu de sens. Et tel aussi a été le cas pour Diogène, bien entendu. Parce que lorsque Nexayo, ils sont en avance deux siècles de génération. Ils ont dépassé deux siècles de génération. C'est normal pour être capable de mettre au-dessus de la mêlée et puis pour être capable de projeter un regard critique sur l'ensemble de la société et puis pour entrer dans une dynamique pour accoucher une nouvelle société. Ces hommes-là, de qualité, de calibre, sont rares. Ils sont rares parce que pour quelle raison ils allaient à contre-courant. Ils cherchent en quelque sorte des hommes, des esprits libres pour épouser. Ils rejettent toute formalité, ils rejettent toute forme de conformisme social, qui constitue en quelque sorte des entraves pour l'émergence et l'épanouissement d'un esprit libre et d'un esprit critique. Alors il faut comprendre à ce titre-là, ils baillent priorité au fond, ils baillent priorité au contenu, ils ne sont pas restés embercés dans des coquilles vides, mais ils ont plutôt adressé des problèmes d'ordre métaphysique qui ont rapport à des principes fondamentaux qui pour permettre à ce que une société solide capable chita sur des bases pour assurer le bien-être collectif. C'est ça l'enjeu principal de la philosophie. La philosophie en quelque sorte vise à libérer les esprits, non pas à les manipuler, non pas à les contraindre, ni à les entraver, mais plutôt à faciliter en quelque sorte la libération, aller accoucher les esprits, retirer une caverne, permettre au gain courage pour être capable d'aborder la réalité, faire face à la réalité telle qu'elle est. C'est ça le point de vue. Et c'est une raison moi-même, à un certain niveau, je choisis le fond et en quelque sorte je remets toujours le traitement en dynamique pour me remettre en question la forme qui constitue une coquille vide pour empêcher les grands esprits de pouvoir s'exprimer de façon clair, honnête et digne, pour échapper à toute forme. Et c'est bon, écoutez, il faut comprendre qu'à un certain niveau, il y a toujours un malaise pour les petits esprits façonnés, aliénés. Et ceci, cette forme de résistance est le résultat, ses conséquences directes de la domination sociale, du conformisme social, de l'aliénation mentale, en quelque sorte, qui subit ce qu'on appelle un jeu de manipulation des esprits. C'est ça l'enjeu. Et là, forme dit-nous, c'est un travail tout à fait extraordinaire. Maintenant, après tant de camarades là, et je pense qu'il va honorer sa parole, il va répondre bien entendu à l'invitation qui lui a été faite, et monsieur, bien sûr, il te répond à l'invitation, il te dit oui, et j'espère que pour la jeunesse haïtienne, vous voyez, même pour jeunes garçons, yo, bah, c'est que la jeunesse haïtienne a vraiment intéressé, parce que vous savez, la critique qu'on me fait souvent, c'est que toujours dit Nexab dit bêtises, Nexab dit oh gomo, vous savez, c'est ça l'enjeu. Alors, puisque la thèse, monsieur était avancé, il dit c'est pas dit bêtises, parce que cette bêtise, les wap non wap dit bêtises, ça prouvait que pas gain argumentation ou bien ça prouvait ou pas gain capacité pour argumenter. Moi je pense que j'ai dit le contraire. Alors, j'ai dit le contraire. Moi je dis que ce qui est important, il faut que, ou en mesure, pour prouver tes oies, que tout le monde qui dit soi-disant bêtise, y a une incapacité totale pour raisonner, réfléchir, produire de raisonnement solide, argumentatif. Bon, c'est à ce niveau-là, pour dégager, pour venir défendre tes oies, pour venir supporter tes oies au profit, bien entendu, de l'intérêt de la jeunesse haïtienne. Bon, c'est tel est le cas. Mais ils ne disent qu'on vient pas. C'est pas une obligation, non, pour mon avenir. Faut nous clair sur ça. C'est pas une obligation. Il m'a pas ajouté professeur Herbert. Et professeur Herbert répond. Bien entendu, merci professeur Herbert qui répond. Prison n'a pas ajouté. Maintenant, on a pris le temps de notre camarade là. Bonsoir professeur Herbert, comment il est?
Bon, bien le bonsoir, el professeur del mundo. Del mundo. Merci, merci. Et nous avons avec nous le professeur Herbert qui sera notre modérateur. C'est lui-même qui va le définir Nomio. C'est lui-même qui va le définir et par souci d'impartialité, de clarté et d'équilibre. C'est lui-même en quelque sorte qui pourra aller modérer ce débat contradictoire. Professeur Herbert, me laissez espace là pour vous et va avancer et puis pour dire, pour faire public là qu'on est qui position, qui se va le dire, qui se va le faire en quelque sorte comme étant modérateur. Bon, son démarche, je salue tout public qui a une chance de suivre le débat ça, entre deux personnalités. Nous avons John Wesley Delva, qui c'est en grande tête, lui-même l'a présenté tête lui en détail, mais moi-même moi connais pas je non rapport de curriculum vitae, mais ça me connaît de lui, c'est il ont gradué à l'université au Canada, il écrit une ou bien plusieurs livres, lui-même n'a pas besoin plus de détails, et c'est on est qui a assez une capacité pour les rentrer dans le débat et même convoquer, même inscrire tête pour lui même démontrer capacité d'argent selon ça qui t'est parlé dans sur réseaux sociaux. Et vous croyez que c'est démarche ça qui fait que en face à bien professeur Del Mundo, je le décris tête, c'est monsieur Lavoisier Junior Chelizier. Et bien côté au pral font un débat contradictoire sur la rhétorique et la politique. Généralement, pour le public là, qui me dit nous que non débat normal, règle t'as supposé devant, que d'accord entre deux mouns ou bien plusieurs mouns qui participent, nous pas l'obliger vina avec quelques règles pour nous capable quand même conduire débat ça. Pour mouns qui pas habitué avec débat, nous même nous enseigner débat à niveau high school, nous venons dire que c'est pas on démarche pour qui est-ce qui est plus fort, qui est-ce qui est moins fort. Là, quand nous c'est pas une habitude. Il n'y a pas vraiment dans la culture, nous, pour côté n'a passé tout côté, nous avons des bacs à fête, etc., tant qu'on a pile pays. Donc, le plus souvent, le nous entrons dans le barbershop, nous avons discuté, ce n'est pas un débat. Débat, il faut que c'est un moment pour que chaque monde ait une thèse. Nous sommes des professeurs, le professeur Del Mundo qui thèse par lui-même, qui est position affirmative que le gain soit fait rhétorique et politique. Et débat ça en créole pour tout le monde capable de comprendre. Et puis, je souhaite que les deux participants connaissent technique débat. C'est-à-dire, il y a deux fois, on a utilisé des mots pour capable perdre l'idée, etc. Nous-mêmes, nous pas un arbitre. Un modérateur pas un arbitre. Ils sont arbitres du temps. Mais ils pas un arbitre de sens, ça qu'a dit. Ou bien pour mettre un ou là, on prend pour la voisine ou bien on prend en faveur de Delva. Non, ce n'est pas bien ça du tout. Un modérateur, c'est l'autre méthode que le mettait pour que le monde capte de capable comprendre. Et puis, nous-mêmes, nous avons des participants. Nous n'avons pas besoin de nous depuis nous camper selon l'heure que nous-mêmes nous établissons, c'est-à-dire nous avons établi. Au commencement, comment nous allons le faire pour le monde capable comprendre? Chaque participant va gagner 5 minutes pour être capable non seulement parler de tête, mais parler de qui position qui a gagné dans le débat. De chaque monde a gagné 5 minutes. Après 5 minutes, il y a un temps qui reparti pour argumentation. Si c'est M. Delva qui font argumentation, il y a 3 minutes pour le faire. Et le monde qui a répondu, c'est le professeur Del Mundo, lui-même a gagné 3 minutes pour être capable. Ou bien répondre, ou bien répondre avec un contre-argument, ou bien avançons l'autre argument. Donc, depuis nous dit camper, tous les deux parties sont supposées suivre les règles, et puis débat lui-même la durée, nous ne sommes pas d'accord sur ça, mais autant que ça a duré pour live que nous avons fait. Mais nous avons dit tous les participants, par contre, si M. Delva déjà là, que ce n'est pas un live. Ce n'est pas comme si on a toute liberté pour vraiment exposer un point. Au bon nombre de temps pour exposer et quand modérateur a dû camper, au bon petit temps pour qu'a fini phrase ou faire et puis pour l'autre monde capable parler. Donc c'est comme ça ne pas laisser faire. Nous souhaitons que ces deux intellectuels que l'autre monde qui a suivi live ça ou bien qui va regarder plus tard
capable d'apprendre de lui. Nous avons un moment difficile dans le pays. Ce n'est pas le moment pour nous parler des paroles oiseuses, des paroles en l'air. C'est un exercice qui permet au monde intellectuel, au monde qui n'est pas intellectuel, garder que deux Haïtiens capables de parler ensemble sans ne pas obliger et sans ne pas obliger à référer avec moins forte ou bien avec violence, mais nous capables d'établir point d'affaire selon le monde qui a attendu, même c'est eux-mêmes qui jugent, ce n'est pas moi-même. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé de faire clair. Par contre, si M. John Wesley Delva déjà là, mais c'est beaucoup là, nous-mêmes nous là, et je souhaite que. Et là, moi, je suis venu pour le tabler, peut-être qu'il ne doit pas au courant. Il ne doit pas au courant. Oui, il doit tabler. Et tabler en bas live là, pour être capable peut-être répondre avec invitation, comme il était dit déjà que il a accepté le débat, parce que. L'été répondre, ou t'es témoin que l'été écrit, et m'te gagne preuve là, que l'été d'accord que jeudi à midi. Alors, il faut comprendre que nous t'es dit pour nous faire débat mercredi, à midi, l'été dit n'est pas possible pour lui parce que à midi, mercredi, il n'est pas bon. L'été répondre, mais l'été dit que jeudi, hein, c'est vendredi, il choisit jeudi. Hein. Femme dit mounio tout que c'est John Wesley Delva qui choisit thème dans tout. C'est-à-dire, thème débat, il y a une possibilité pour le choisir, il te laisse une leçon pour le choisir. Et non seulement il te laisse une leçon pour le choisir, mais aussi, il te choisit le cap pour lui. Vous savez, il te laisse la largesse ça pour être capable, et me penser que s'il choisit date là, et s'il choisit thème, non, il y a un minimum que la honorer parole du tout, puisque c'est un intellectuel, c'est un aigle de formation, de qualité, je pense que il n'est pas privé. En quelque sorte, son et jeunesse haïtienne de possibilité ça pour être capable, bien entendu, assister avec un exercice qui est aussi noble, qui sont débats contradictoires entre deux mondes et que capable de juger quand nécessaire. Merci. Non, mais quittez-nous ajouter pour juste la connaissance du public. En général, le on débat fait c'est une organisation parfois à but non lucratif qui organise et tout le monde est d'accord sur un thème. Le ou bien un seul monde le soin pour choisir thème débat et qui affirme et qui position soit positive ou bien négative que la prend, c'est un avance aller dans débat. Ouais, vous voulez comprendre ça. C'est tout le monde d'accord sur thème là et sur déroulement, règles, etc. Donc là, je me dis ça, je me dis que c'était un avantage. Babé Moustache qui a débattu, elle était choisie. Elle te dit que comment pour nous choisir, soit négative ou bien positive, affirmation. Il te dit bon, il n'y a pas de problème à ça. Que monsieur la chérie de choisi Salvléa, lui-même l'a venu mettre connaissance à tête. Donc, c'est partie remise, il est exactement. 12 minutes après midi, mais même pas de problème avec vous pendant un temps, s'il pas paraître, mais à midi 30, moi-même, je suis obligé de décamper. Et non, si à midi 30, il n'est pas venu, bon, parce que nous sommes capables toujours nous-mêmes faire frontier échange sur thématique-là, pas vrai? Bon, pour qui ça me fait faire? Écoutez, faut audience-là. Nous avons parlé d'autres sujets, mais pas thème, non. Oh, ok, pas de problème. All right. Et en fait, en quelque sorte, il faut nous d'accord tout. Et je pense que si. Je ne peux pas croire que la réponse, parce que il était pour engagement. Et aussi, on témoin, il était pour engagement. Et c'est une plus grande preuve. Et c'est une plus grande qualité. Yon intellectuel, c'est cette capacité à pouvoir honorer son engagement. Ça, c'est yon intellectuel, yon leader, ou bien yon moun qui en charge en communauté, c'est respect, le respect de sa parole donnée. Bon, c'est le fondamental dans toute démarche qui vise, bien entendu, à faciliter l'échange entre le monde. Et d'autre part, pour nous d'accord, tout, les refléter yon niveau de caractère. La calomnie. Si on dit oui, ou oui. On dit non, ou dit non,
Comprend? Et l'on dit, ou choisit thème pour une débatte, c'est gogozé. Pas de jouet non, surtout l'on choisit thème. C'est où choisit thème, c'est gogozé. C'est-à-dire déjà, le fait qu'on choisit thème, c'est déjà une preuve. Et contesté. Ouais, c'est une preuve et contesté de engagement pour venir participer. Il y a 11 ans, mes matins, qui dit, moi, bon, je vais vous prendre modérateur entre Lavoisier et Delva, ou parle à l'avantage de Lavoisier. Bon, ouais, c'est une affirmation qui déjà montré mon n'a pas habitué avec débat. Parce que même si je suis pour Delva ou même pour M. Lavoisier, un modérateur n'est pas capable d'utiliser partisanerie non modération. Parce que c'est arbitre du temps que lui. C'est juge, c'était un juge cap là, qu'on a un de jugement, et puis même il est capable de soit une partisanerie ou pas. Mais moi-même, pas une partisanerie. C'est question de chaque monde qui est et puis moi-même, je dis le temps pour l'arrivée, ou on marche de manœuvre pour finir phrase ou mais ce n'est pas moi-même qui peux penser ou bien émettre des réflexions ou bien arguments ou contre-arguments. Ce sont les acteurs. Et c'est en toute liberté que tu choisis prendre rendez-vous ça à qui à l'heure qui c'est midi donc pas aucun monde qui est capable d'intervenir pour faire un tel mais ça pour dire ou bien mais ça pour pas dire. Bon écoutez, comme ça tout lui-même il doit choisir s'il trouve que ou gain un type ou penché d'un côté ou de l'autre, lui-même il doit estimer volontiers pour le dire ou garder le silence et puis lui-même l'a pas bondé. Écoutez, ça, l'idée, on doit ça tout. Et d'autant plus, tout, forme du professeur Hébert, et pas pour profiter de mon démonio pour le cher, là, pour moi, parce que je n'ai rien à ce que, mon plus grande audience qui est arrivée, j'ai une opportunité pour être capable. Et bah, surtout, en quelque sorte, fanatique ou bien follower camarade là. Et je n'ai rien à faire des passages. Maintenant, tu me dis, et m'a souligné pour nous que, aujourd'hui, je n'ai jamais dit, hein, pour mon qui ne connaît, et excusez-moi, professeur Hébert, m'a fait râler sur un philosophe qui est le Diogène de Sinope, qui en quelque sorte est considéré comme étant un grand père et fondateur du cynisme, comme courant de philosophie qui émergeait en grec au 5e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, il faut comprendre que et non seulement monsieur était un tigeant choquant pour la société de l'époque, monsieur était toujours en quelque sorte. T'es campé, on l'est la masturbée. Maintenant, il faut comprendre que ça qui est important, à chaque coin du lieu, monsieur râler et pédili, et puis la masturbée, la société grecque primitive. Maintenant, c'était toujours choquant. C'était toujours choquant pour la société, parce que je t'ai considéré, monsieur, comme étant un pervers, un anomalie, un problème pour la société, parce que monsieur bousculait. En quelque sorte, les paramètres, les bousculer, les manières, les bousculer les soi-disant les bonnes mœurs. Et puis, à un certain niveau, aujourd'hui, les sociétés, de sociétés contemporaines, surtout au niveau des universités occidentales, il y a enseigné Diogène, le cynisme, il y en a plus grand cynique qui existait dans l'Antiquité grecque. Maintenant, alors, il faut poser cette question, comment se fait-il aujourd'hui dans les universités les plus prestigieuses? Dans le monde occidental, là, il a enseigné Diogène que la société d'alors condamnait comme étant un pervers, comme étant un homme qui est asocial, qui est antisocial. C'est un gros problème. Maintenant, je dis là, ce serait bien sûr l'occasion d'attirer l'attention sur le mode de philosophe sérieux, sur des hommes tant que Diogène, sur des hommes, bien entendu, tant que Platon. Sur des hommes d'un coup, maintenant, il faut me comprendre tout, toujours m'inscrit ça dans la dynamique de philosophie et occidentale. Alors, puisque, bien entendu, je suis capable de dire, camarade là, en quelque sorte, l'y étudier dans les universités occidentales, par exemple, l'université de Montréal, c'est là qu'il a fait ses études et même gradué, il a obtenu son diplôme là-bas. Mais écoutez, là, à ce titre-là, je pensais que l'innécessaire, voire indispensable même, pour tout le monde à avoir un débat comme ça, côté que la rhétorique, et la politique, un rapport, surtout dans le contexte haïtien. Surtout dans le contexte haïtien et à tous les grands phénomènes qui ont marqué l'histoire de notre pays, ce serait bien sûr l'occasion pour camarade Delva venir mettre
un rapport, ça nous est capable de dire rhétorique et politique, comment il fait politique en Haïti et quelle importance rhétorique là, ou bien qui Wally est capable de jouer dans la politique en Haïti. Bah, c'est un bagage qui est tout à fait intéressant. Vous comprenez? Il est bon que vous parlez avec un rapport comme ça, même si vous refusez de parler de la rhétorique et la politique, même dans le contexte haïtien, mais moi, on fait une démarche, je vais rentrer là-dedans, même pas rentrer dans ça, je vais rentrer dans Diogène. Parce que ça qui vient dans l'éducation en Haïti, que je vais soulever par exemple dans la classe de NS4, ça a eu les classes philosophie en Haïti, quand on est là, en Haïti, même si c'est co-directeur, le bon classe de philosophie qui a dispensé, professeur qui a dispensé ça, il est toujours wow, comme on n'est qui gagne l'argent sur l'autre bord. Mais qui ne peut pas comprendre. Donc, le club dispensé ça, on ne peut pas regarder. Donc, parfois, on est intervenu, surtout si le professeur est dans un contexte qui est trop restreint. Le conseil, on peut regarder avec étonnement pour dire ah bon, monsieur, c'est aux États-Unis, avec tout préjugé, ça gagne comme monde qui est aux États-Unis pour monde en Haïti. Et puis, là, on s'est questionné par rapport à ça que a discuté et par rapport avec Haïti tout. Et dans le contexte où parler, dans le monde où parler à là, surtout dans le monde de période de Diogène, Platon ou bien Socrate, nous-mêmes, nous avons mal pour nous comprendre dans le monde aujourd'hui. Pour ça, parce que la société a une série de arrangements dans le monde entier, mais surtout dans l'Occident, côté que nous avons une façon pour mesurer la connaissance. C'est ça qu'il faut avoir un problème de licence. Par exemple, est-ce qu'on a une licence? Est-ce qu'on a un master? Est-ce qu'on a un doctorat? Mais son mesure, pour être capable de voir, est-ce qu'on prend un enseignement? Est-ce qu'on prend un cheminement qu'on suive pour être capable de connaître quel niveau d'études qu'on y est? C'est récent dans l'histoire du monde. C'est récent. Parce que dans le monde, c'est un monde que tout. Chercher connaissance de tous côtés. Quand tout le monde a parlé dans le monde occidental, c'est en Afrique qui a étudié. C'est au Tibet à l'étudier. Parce que l'Occident vient mettre ce système ça très tard par rapport à d'autres civilisations, par exemple, survivre en Chine ou bien survivre, par exemple, en Afrique, qui a des millions d'années que même ils ont gagné une culture pour enseigner le monde. Est-ce que qui sont les bases ou pas dit que Diogène c'était un grand intellectuel? C'est sous base que lui-même lui vraiment challenge, sinon on prend un mot anglais, lui défie la société. Elle dit ouais, tout ça n'a fait là, mon niveau de connaissance ou pas gain, un tel point que nous-mêmes seuls, ça a été tout de Diogène, la marche avant l'antenne, la dit je cherche un homme. Mais on pas jamais défini la personne pour qu'il cherche un homme. Donc obligé qu'on ville. Obligé qu'on vit Platon, obligé. Et surtout, l'époque que nous avons parlé là, c'est l'époque, par exemple, pendant que la Chine a une grande civilisation, etc., qui a monté Mésopotamie lui-même, c'est lui-même qui. L'Européen vient apprendre Chita sous table, vient apprendre une série de traits culturels en Mésopotamie, que nous avons les Irak, je dis. Ça veut dire que nous avons considéré Mounsao comme des sauvages. Ce sont des nomades sauvages qui n'ont pas vraiment un pile bon. Très culturel. Donc, on venir avec la Grèce qui redéfinit, qui résout un problème crucial, à savoir comment vivre socialement, comment résoudre conflits sociaux. C'est un rare côté que paraît avant Jean, j'en ai fait aux États-Unis là, avec problème Trump, donc pas les transferts de pouvoir pacifiquement, mais ça a été commencé à résoudre dans la Grèce. Et que pile très culturel en Grèce. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire que la société est morale. Parce qu'en Grèce, c'est côté, il y a un centre côté pour aller faire chacha. Il y a un côté pour aller faire créer. Ça n'est pas le créer, je veux dire. Côté grand nègre, député, sénateur, ou bien tout le monde qui a un côté pour aller baigner. Je vois ça, c'est qu'on est dans Manhattan, il y a un groupe Massissi, ma divine, etc. Mais c'est dans le centre ça pour aller faire. Ou pas de canal à rue pour le faire. Alors, pour monsieur exposer la société, hein, ou bien hypocrisie là-dedans, il dit, n'a fait tel ou tel côté. Alors que, il nous voulait que démontrer que la rue, c'est tel Jean Boulier. Qui est-ce qui dit ça? Donc, c'est surtout l'apanage des philosophes. Qui était normal, qui est dans le mode qui est anormal,
pour dire que des fois obligé entrer dans monde ça pour expliquer soit hypocrisie ou bien défaillance qui gagne dans société. Je dis parce que lui-même il est en soi surtout une société en décadence oui faut et là parce que si société a pas en crise ou soit en crise morale d'ordre métaphysique et morale ou bien une crise réelle politique socio-économique là il faut comprendre que et intellectuel là il pas gagné suffisamment de matière pour le capable élever l'esprit lui au point pour porter une réflexion et puis pour prouver engagement intellectuel lui sous capacité pour orienter société là. Parce que faut comprendre tout le rôle du philosophe dans l'antiquité c'était plutôt d'orienter la société parce que était considéré comme étant un détenteur de la sagesse. C'est lui-même un dernier nœud qui dit le dernier mot par rapport avec une crise ou bien une situation que société a jeune. C'est pas la politique en quelque sorte. C'est avec le temps que la politique prend le dessus et c'est ça expliqué en quelque sorte pour qui raison là et Platon pour écrire la République pour capable idéaliser une forme de en forme de gouvernement qui capable permettre à ce que une société capable avancer et bien. Mais ceci étant dit, faut comprendre que pour monsieur idéaliser l'or étudier Platon bien ou après que monsieur t'ait fait face avec une société en quelque sorte qui était en décadence, qui t'a confronté avec une crise morale à présent et assisté bien entendu avec suicide de son mentor qui c'était Socrate et Jean-Monsieur ouais Socrate préférait bref Iguyan pour être capable Siguyan pour être capable prouver un point Monsieur obligé en quelque sorte agit de façon telle pour le monter sur la hauteur lui permettre l'esprit de prendre de la grandeur et puis pour le projeter un regard critique sur la société de l'époque et puis diagnostiquer lui et puis en quelque sorte produit une pensée politique que le traduit, qui traduit bien entendu à travers le livre Saroulé, la République. Là. Maintenant, c'est un bagage qui est tout à fait intéressant. Tous les grands intellectuels que le monde occidental connaît, il faut comprendre que ces intellectuels-là, à un moment donné, il fallait que nous fassions face avec une crise. Si nous prenons par exemple, Karl Marx, nous prenons par exemple Nietzsche, nous prenons par exemple tous ces grands philosophes qui ont marqué, bien entendu, le 20e siècle et même ceux qui ont marqué le 19e siècle. C'était ça. C'est-à-dire que ce sont des hommes de pensée qui ont pris un recul considérable par rapport avec la société présente et à partir de là, ils ont projeté tête dans le passé pour être capable de puiser suffisamment de matériaux et de là, ils sont capables, bien entendu, à partir de diagnostics ponctuels présents que ils ont fait, ils ont essayé de projeter une nouvelle société qui est capable, bien entendu, différent de société ça a gagné présent. Moi, j'aime trouver son bagage tout à fait extraordinaire et intéressant. Là, c'est même bien, parce que j'approche au fait, c'est même bien avec le jeu. Si nous voulons entrer contextualiser dans le présent pour Haïti, ou après que le pile monde qui a demandé au côté de là. Et pourquoi parler soit de Platon, Diogène, etc. C'est l'époque que la connaissance, et jusqu'à présent, pile partie dans, du monde, la connaissance est gratuite, comme on dit gratuite. C'est mon yo kon chita, par exemple, pile moun qui est biblique, par exemple, qui suivent la Bible, qui ne comprend pas comment synagogue était du temps de Jésus. Synagogue, ce n'est pas genre, comme si c'était une religion dans la synagogue, là, mais c'est un lieu de réflexion et de pensée. Alors, l'irritit deux minutes. Ce qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, comme on parle de l'argumentation, parce que c'est la critique, c'est critique que toujours formulée à mon égard. Et c'est que nous avons juré, même pas j'ai une capacité pour m'argumenter. Moi, je pense qu'à un certain égard, si vous choisissez un débat, vous répondez positivement, en affirmative, et si, bien entendu, vous avez pris le soin de choisir le terme du débat, bon, pensez à un moment donné, vous êtes capable de faire preuve. Juste, mais même si vous n'avez pas participé tout non plus, bon, ça arrive et tout, vous trouvez que vous occupez par d'autres, même pour le public, là, ou public, là, des faits, vous êtes capable de paraître, ou de dire, bon, écoutez, vous présentez excusez-vous, que vous n'êtes pas présent, et puis nous sommes capables de reporter ça à une autre occasion, ce qui est tout à fait normal. C'est une démarche. Bon, c'est que, j'en veux dire, parce que ça, c'est ce qu'on appelle sous, il y a les bêtises. Les bêtises que vous êtes capable dans la société, pas nous en sens commun, vous comprenez, il y aurait les bêtises
C'est-à-dire, on s'est associé à vulgarité, profanité, on est dans le langagière. Mais il y a des bêtises qui sont en forme d'action composée et qui traduit une faiblesse de caractère, une faiblesse de caractère moral et qui traduit aussi un manque de responsabilité. Ça a perdu. Et c'est en quelque sorte l'enjeu crucial que la société haïtienne a fait face avec nos politiques. Parce que ce sont des irresponsables. Des irresponsables, ce sont des hommes qui, en quelque sorte, ont carence, pour ne pas dire amoral, ils ont déficit moral extraordinaire, au point que, jour et jour, ils ont plutôt chita sur ce qu'on appelle une rhétorique, pour être capable de palper, pour être capable de pallier déficit moral, ça, et puis pour manipuler l'esprit de la population. Moi, je pense qu'à un certain égard, il serait mieux pour camarade Latafon paraître, juste pour clarifier, on va dans quelques points, ça a quitté, on a avancé. Parce que ça arrive même des fois que je suis contrarié, je suis contre-temps, mais et puis soit on appelle qu'on est possible, qu'on est difficile. Moi-même, expérience femme de John Wesley, je continue l'émission le dimanche, pas tout le temps, mais parfois on a regardé le dimanche sur BBJ International, on a regardé la capacité de réflexionner. Moi-même, quoi que je garde des démarches, non, livres que je garde en summary, je n'ai pas de copie, c'est dommage. Mais c'est un type valable, jusqu'à preuve du contraire, on nous a le bénéfice du doute que le cas contrarié, et que, puis devant, il doit reporter ça, pas quoi, c'est, j'ai un peu de monde pour le dire peut-être, soit que le peu, ou bien, et, nous avons une approche qui vient de faire, approche comme si je garde, soit qu'on a parlé à la, de la fête de. Sans psychiatrique, monde fou, etc. Parce qu'en général. Bien entendu, bon, au contraire, ce serait l'occasion. Écoutez bien, quand même. Même si vous avez attribué certaines qualifications à la personne de Lavoisier, disant qu'il a fréquenté des centres de psychiatrie en France à plusieurs reprises pendant 3 ans. Bon, écoutez, ce serait l'occasion maintenant. Vraiment, si mon qui a porté cette accusation contre ma personne, il ne m'a pas donné le soin de clarifier, en quelque sorte, et d'apporter des preuves. Contraire, je pensais qu'à un certain niveau, ce serait l'occasion pour M. Delva, qui est un collaborateur du type, de venir, en quelque sorte, avec des preuves, et puis capable de questionner, bien entendu, sur cette accusation. Bien entendu, ça. Oh, mais, écoutez, moi, je pense qu'à un certain niveau, ça n'a pas affecté, parce que je ne serai pas en quelque sorte le premier à être quitté, yo qualifié de ça. On a qualifié Diogène de fou, on a qualifié Socrate à un moment donné de fou, on a qualifié même Jésus-Christ, le grand maître à penser, de fou. Écoutez, même notre grand professeur d'Orestal, qui m'enseignait de la philosophie, on l'a qualifié de fou. Écoutez, qu'est-ce que la folie? Il faut comprendre à un certain moment que nous avons un grand philosophe français, que Michel Foucault a traité la philosophie et la problématique, bien entendu, de la folie dans les sociétés occidentales. Maintenant, ce sera l'occasion pour moi d'entamer ou bien d'engager un débat sur ce qu'est la folie. Vous savez, parce que vous savez, démarche en quelque sorte à label, mettons étiquette sur mon lien, script plutôt nos démarches d'affirmation de forme de peur. Vous savez, quand la personne est menacée, il se sent menacé, il sent peur, c'est normal pour construire une grille. Cette grille-là, il entraîne une dynamique de label. Oh oui, nous sommes des fous, nous sommes des gens qui ont des problèmes, nous sommes des problèmes mentaux. Écoutez, ceci explique en quelque sorte et situation d'inconfortabilité que nous avons trouvé face avec la grandeur et la puissance de l'esprit de l'autre. Écoutez, ce n'est pas un jeu d'assez, non? Même Freud, Sigmund Freud explique ça. Sigmund Freud dit, face à l'esprit qui est puissant, face à l'esprit qui est fort, c'est normal, oui, pour le petit esprit, incapable d'affronter l'esprit qui est fort. C'est normal, oui, pour le venir avec, pour faire usage de label, juste comme une forme d'excuse, pour cacher et masquer sa faiblesse d'esprit. C'est quoi que c'est? C'est proposé. Alors, il faut comprendre que moi-même, écoutez, je vais répondre avec ces petites accusations de classe primaire. Écoutez, ça, c'est bagaille. Classe primaire.
Maintenant, écoutez, moi, dans le niveau que m'a évolué, m'a avancé, si on n'a pas de capacité, au moins, je ne suis pas responsable. Alors, il faut comprendre. Je ne suis pas responsable si on ne pas mettre d'air sous l'école, ou bien s'il n'a pas appris, pas apprivoisé, ça nous faire acquaintance avec de grands esprits sous lui. Je serais, c'est bien malheureux, m'a pas faire un boule, pour ça. C'est bon. Bon, moi-même, c'est dommage, m'a pas de fini, m'a dit que moi-même, quand m'a mal à l'école, des fous, par exemple, même en Haïti, mon yore le moun fou, mon aptan de très près, m'di, mon ki le moun za ou moun fou, gen le opi fou passe, parce que mon akon sorti non de machin de normalité, et puis pour un mode de vie qui contraste tout moun, ouek, ça pa vle dit pour le temps, et même pas entrer dans la démarche, comme moun ki te na affaire sociale, pas entrer dans la démarche pour m'a vin avec des préjugés, ou bien stéréotypé moun, qu'on pas comprenne. Imagine actuellement la société non relé docteur Large au monde fou parce que son mulâtre qui campé cap défoncé de intérêt parfois même semblé intérêt masqué défavorisé immédiatement son fou grand pile l'autre monde comme ça que relé fou parce que mon n'a pas suivi voie normale là et un monde qui libre un esprit libre le plus souvent on capable pas comprendre ni on capable dire fou bon et ceci gainement parmi famille nous qui qu'on a qui gagne stabilité mentale qu'on a prend soin est-ce que nous pour autant nous laguer ou bien nous pas prend soin de eux donc ça faut pas retirer préjugés avec discrimination sur base de problèmes mentaux même s'il a existé mais moi-même d'entrer dans des marches avec eux quand me dire que au commencement ça était problématique pour qui ça parce que me lever dans société là m'a viré dans internet là. Et puis c'est le moment de nous qui a parlé, qui a dit boulanguette, qui a dit what is this? Immédiatement, instinctivement, je viré. Ça fait même deux ou trois fois. Mais après, je me dis mais ce n'est pas possible. Oui, il y a des gens qui prennent les réseaux sociaux pour faire zimpéter, pour faire views. Même pas capable de retenir nos démarches pour me tendre une voix parler parce que je ne peux pas aimer ça le dire pour m'aller tout le temps. Pour me dire, tu me m'étendre tout en émission et me dit ah comment me comprendre ça monsieur fait et me dit ça déjà monsieur fait choc thérapie l'utilise en partie dans le langage pour lui porter à questionner même à courir et puis sous 30 ans entendez ou après que bon l'autre démarche éducative qu'a fait c'était très bien jusqu'à ce que me dit ça personnellement et me dit ça parce que mon bêtise qui s'allait bêtise son bagage que société a défini qu'il pas acceptable. Pendant ce temps, nous-mêmes, dans le créole, nous faisons des ordres avec lui. Par exemple, en français, il y a un mot qui n'est pas acceptable, il y a un mot qui est acceptable. Mais nous-mêmes, nous disons tout mot en créole pas acceptable, à moins qu'on mette en français. Ça, c'est un problème. Ce qui vous parlez bien, c'est l'ordre dit pénis, c'est l'ordre dit vagin, c'est l'ordre dit le coït, c'est l'ordre dit etc. Nous venons regarder. Il n'est pas correct. Fontage non l'autre mot acceptable. Et qui est-ce qui va déterminer qui est acceptable, qui est-ce qui n'est pas acceptable? C'est tout en l'autre philosophie. Sous alors, l'an. Comme de tout, si en quelque sorte, m'accepte prudence, dit tout. Vous savez, alors prudence, le plus souvent, c'est une forme de sagesse. Dans la mesure où, si vous êtes conscient, que vous n'avez pas les capacités nécessaires ou qui pour engager un tel débat. C'est normal. Il faut vous rappeler à la prudence. Parce que, bien, écoutez, l'on commence, surtout quand on débat contradictoire. Maintenant, vous savez, vous mettez en présence où, vous savez, des amis, des confrères qui ont écouté petit, des conseillers pour direction ça, parce que l'esprit sont pas en présence liant, n'est pas facile pour vous. Alors, vous invitez à la prudence. Oui, ici, là, sous choisit en deal, c'est déjà une preuve de sagesse, parce que qui est-ce qui peut entrer tête dans le suicide? Parce que, écoutez bien, il faut qu'on ait bien que ils font une évaluation peut-être de force, de faiblesse, au niveau intellectuel. Parce que la première. Premier travail intellectuel, c'est cette capacité à pouvoir s'auto-évaluer, c'est-à-dire évaluer penser. Maintenant, si à un certain niveau,
ou évaluer pensée, ou évaluer capacité, ou évaluer niveau de raisonnement et d'argumentation. Maintenant, vous avez des confrères qui vous ont appelé à la raison, ils vous ont imposé raison pour dire, mon frère, écoutez, petit, là, ou prend direction pas bon pour vous, ou prend direction chemin qui pas facile pour vous du tout. Mais écoutez, ils ont invité à la prudence. J'estime que s'il a prêté l'oreille avec ses collègues, à ce niveau-là, il fait preuve de sagesse. Nous qui doit dire OK, mais écoutez, l'interroger, bien entendu, avec responsabilité, l'engagement, qui prouve en quelque sorte une faiblesse de caractère moral de sa part, ça sont leurs jugements. Ça sont jugements, bien entendu, de valeur. Mais le constat est là, nous capables de dire que le type, à un moment donné, il a fait preuve de prudence, que moi-même, je ne pas condamné. Je pas dit que, bon, écoutez, lui, jusqu'à présent, m'a parlé dans un cadre hypothétique. Nous avons pas les faits. Il n'a pas encore répondu. Bien entendu, il n'a pas encore présenté les excuses, les raisons pour lesquelles il n'a pas pu répondre à l'invitation. Que lui-même, il était accepté. Ça, bon, c'est que à ce stade-là. Et maintenant, ça qui est important, il y a un autre aspect qui est fondamental qu'on appelle l'audace. Vous savez, professeur Herbert, l'audace, c'est une. C'est une. Et bon, capable de dire la qualité. Qualité, pour quelle raison? Lorsque les petits esprits confrontés à des situations extrêmement difficiles, ils ont toujours allé nombreux pour pousser à l'audace. C'est-à-dire que, ou pas étonnant, à un moment donné, vous savez, pour masquer l'incapacité de l'écart, c'est parce qu'il a déjà fermé un carcan idéologique. Ou que doit avoir mon nom vini, qui vient pousser à l'audace et puis venir avec une excuse. C'est-à-dire que, puisque la parole jeune l'autre monde, et puis, à niveau ça, c'est que, il pourra le pousser à pour le dire, bon, écoutez, c'est que, et peut-être que, et monsieur Sonnet qui était dans le langage, monsieur Sonnet qui remet des bêtises, monsieur Sonnet qui mettait dans situation, m'bakal monsieur View, m'bakal prendre ni populaire, m'bakal prendre ni ceci, m'bakal prendre ni cela, tout ça, yo, m'pensez que déjà, ce serait bien entendu preuve de audace poussée. Maintenant, on doit avoir un problème en monde. Ou qui doit avoir un problème, quel que soit, et sous quoi une puissance, l'esprit ou une capacité, ou qui doit avoir un problème avec un monde qui adopte une démarche, ce serait mieux pour aller ou même pour confronter mon dans la démarche, pour poser quelques questions, pour dire, mais écoutez, quand même, il y a des. Ou qui doit avoir un problème avec vous, mais je vous donne peut-être l'occasion pour capable convaincre moi, ou bien pour capable convaincre mon noyau sur démarche ou sur méthodologie ou là, bah, yo, est-ce qu'on peut dire ça, c'est son minimum. Bah, on est sous d'avis. Bon, moi-même, m'enseigner leadership, c'est-à-dire conseil de principe, c'est principe fondamental dans la vie, pas. Comme m'enseigner, je te dis, le premier point dans la vie au monde, que nous pas bâillons pile valeur en Haïti, c'est la ponctualité. Et pas d'excuse là-dedans. J'habite à Carrefour, je connais la route de Carrefour. Le bon temps, c'est 15 minutes. Mais généralement, pour une heure de temps, à deux heures de temps pour vivre en ville. Donc, si je me rendez-vous à midi ou bien à une heure dans la station de radio en ville, ou bien à Pétionville, 9 heures du matin, je quitte. Pour qui ça? Je préfère arriver bonheur, mal chita non. Bon, en réalité, pour m'ajouter, je dois décider de tout pour ne pas avoir de visibilité. Il faut d'accord tout ça. Pour ne pas avoir de visibilité. Oui, nous d'accord ça. Non, si tu es sous BBJ, il n'y a pas prendre 10 000, 20 000 moun BBJ pour le baou. Oui, mais si tu as pas. C'est ça qui est pour un pao. C'est 500 ou 600 moun le cap gado. Il n'y a pas de sens. Il y a dit ça, dis encore. Non, si tu es d'après le fait dans BBJ. Parce que, m'entendez pas ça. Je dis que l'attaque qu'on fait contre moi au Vannet parce que jaloux ou aigri, ou envie de coller, plateforme liant pour qu'elle semble avec.
Est-ce que c'est moi ça qui m'a dit, m'pa quoi? Mais quand il sort d'avancer à l'alta fait sens, c'est sous t'as pral fait la veille sous BBJ international. Et même si BBJ t'a rapporté, ça va dire la bonne audience. Hein? Parce que côté pral fait là, c'est sous port là. Le plus c'est quand même. Moi, je pense que à ce niveau, qui est au niveau égoïsme intellectuel, parce qu'il y a un intellectuel en quelque sorte, ou pas chercher une visibilité, ou pas chercher d'autres grands esprits qu'on estimait qui ont certaines capacités pour juger, pour analyser, pour convaincre. Maintenant, cette question de visibilité, cette question de visibilité. Bon, moi, c'est que égoïsme, ça tape une forme d'égoïsme de sa part. Si bon, moi, ça va me déranger, tout s'il tape, bon, mieux, si visibilité, même à 1% de sa, 900% visibilité, là, bon, ça tape même du bien quelque part. Parce que quand même, vous savez, juste un petit 1%. Je ne demande pas go, hein, quand même. Je ne suis pas un vorace non plus. Je ne suis pas un baronne qui voit le bon de paquet. C'est vous qui avez demandé. Vous ne connaissez pas la société mieux que ça. Moi-même, je connais Haïti bien. Ouais, par exemple, il y a un bagage qui est un débat pas populaire en Haïti. Parce que en réalité, qui est un gain? Même quand on fait débat au point de vue équilibré, juste pour la connaissance, etc., après, le groupe a dit un tel bat un tel. Ça, c'est une. Deuxième partie qui gagne, sous compte société haïtienne, non bien, sous besoin de fonds haïtiens fâchés avant de corriger le français. Surtout si l'écrit non pas le corriger. Il n'y a pas de chambé avant. Ça, c'est étonnant que nous n'avons pas pris tout passé culturel, intellectuel, ça représente l'écrivain, etc., pour le mettre dans un débat public. Quel pari garanti que le capable vraiment gagne? Définitivement. Moi, je vais argumenter dans un sens. Jusqu'à. Moi, je vais parler avant là. C'est une question de. Mal bénéfice du doute, ou en quelque sorte. Maintenant, je ne connais pas le type percé. Maintenant, j'entends. Et peut-être que réputation lui précède lui, en quelque sorte, sur, comme étant, il y en a qui, de posture. Intellectuel, qui bercé bien entendu dans la littérature française et même haïtienne, et un homme de lettres et de culture. Bon, écoutez, bon, c'est que nous balle le bénéfice du doute dans la mesure où peut-être que nous capables de venir avec deux ou trois éléments pour nous capables d'essayer et donner une forme de raison avec le fait qu'il n'est pas présenté. Première raison que tu es capable de dire, c'est peut-être que il est capable de rencontrer des inconvénients et de dernière heure qui a mis dans une situation côté que l'IPAC a présenté dans le moment ça. Bien que c'est lui-même qui a choisi date là et il était estimé que la présente, etc. Deuxièmement, ou qui doit avancer, il y a une deuxième raison et pour dire que, considérant que l'y consulter peut-être d'autres personnalités et l'environnement, qui invite lui à la prudence. Bon, écoutez, ça, son argument, qui est capable de quitter dans la mesure où, si il vient apprendre que ils font évaluation, auto-évaluation, côté loué, bien entendu, capacité li pas suffisamment équipé et intellectuellement, li pas suffisamment équipé intellectuellement, li pas suffisamment de bagage intellectuel pour être capable de faire face à un esprit de ce calibre, bon, c'est que. Et là aussi, si on invite la prudence, mon cher, le fait que le sud lit, d'accord. Troisième point que je n'ai pas considéré tout, qui est intéressant, c'est le fait que, Yogi doit dire, écoutez, pas bah, camarade là, ça aurait des visibilités. Maintenant, là déjà, je suis d'accord avec tout, quelque part. Je ne disconvie pas. Écoutez, si lui estime que le déjà a une certaine visibilité et sous la société, et puis l'estime que je pas jugé nécessaire pour une bonne visibilité, d'accord, à ce titre-là, je ne vais pas condamner le bousa. Écoutez, c'est lui-même qui a géré visibilité, je ne vais pas condamner le bousa. Maintenant,
Quatrième point, je suis capable d'avancer. Je suis capable de dire ça. Et si on a à un certain niveau estimé que après que vous avez qualifié un nègre de fou, attendez bien, après que vous avez qualifié un nègre de fou, maintenant, normalement, pour le cohérent, et pour le cohérent, nos démarches, pour montrer le cohérent, normalement, c'est aligner avec position collègue. Parce que, imaginez un instant, ou bien un collègue que vous suivez, ou bien un collègue que vous associez, ou c'est détenteur de yon diplôme d'université, ou gradué à Montréal, l'université de Montréal, ou c'est un écrivain, ou c'est un intellectuel réputé, et votre réputation est établie, et ou associé avec un individu qui lui-même estime que, avec peut-être des dossiers à l'appui, que Nexa, son nez qui a un problème mental qui va se cicatriser pendant trois fois, je pense que si vous avez choisi pour aligner, je pense que là, c'est normal pour aligner ou bien associer avec, avec le type. Pour moi, ça, je ne problème à ça non plus. Je n'ai pas de problème seulement. Même pas capable de mettre ma bien temps pour n'importe l'autre temps qui choisit, mais n'a fait me connaît. Mais il est impossible pour me rester plus de temps la voisine parce que m'gen, si je suis obligé de 3 heures de temps, si je suis là, je suis prêté. Mais s'il n'est pas là, j'ai d'autres activités que je peux faire, donc je vais parler de suivre le déroulement. Par contre, ça va faire après non, ça. Non. Aussitôt que vous l'avez malé, parce qu'il n'y a pas lieu de débat. C'est ça que je veux pas comprendre. Je dis, hein, d'inviter le public, tout le monde est venu dans le cadre d'un débat. Maintenant, non, si. Pas faire ça, pas parler de thème, non, tout le temps, lui-même, il n'y a pas dit que les désengager sous question non, de débat. Non, c'est ça, je ne vais pas parler de thème, non. Aussitôt fini, je mettais fin avec, parce que peut-être que lui-même, il y a une raison que pour justifier. Peut-être que, mais, forme clé sur ça, il n'y a pas d'obligation pour justifier. Parce que nous sommes toujours libres. Il n'y a pas d'obligation pour justifier. En tout cas, Kama et professeur, nous merci. M'apprécie le fait que vous venez. En bas live là, j'ai envie de parler avec vous. Donc, par contre, si un pilote a voulu prendre, mais moi-même, je m'a désengagé, mais puis m'a dit c'est un plaisir que vous avez accepté, que lui-même était accepté, que me servi de moi. Excusez-moi, tout me présente, excuse-moi, du fait que m'apprécie le fait que, en tant que professeur, vous êtes honoré. À engagement. Moi, j'aime toujours qu'on ait je suis d'admiration. Vous sont bon que nous ayons plus l'admiration et vous toujours être dans ce sens-là. Merci de faire côté, je fais le choix. Les réciproques, et puis porte bien. Et moi, salut, M. T. Que c'est pas une urgence que M. Delvagain. Bye bye. Ok, merci. Merci, pas un problème, Kama. Merci. Bon, c'était avec nous, professeur Herbert. Bon, c'est que je vous dis en larmes, désolé. Mes chers amis, et n'a quitté ça et c'est un plaisir pour me dire avec nous malheureusement et peut-être que camarade la tegen doit et a en difficulté et c'est un plaisir et nous souhaiter que s'il t'a en difficulté peut-être inconvénient que les capable résoudre lui comprendre que les capable résoudre lui et puis gonzan mi ou les Jude Célestin n'a pas connaissi Jude Célestin t'es ca de carré jeune parce que est-ce que nous capable tag Jude Célestin pour moi en balague là Jude Célestin alors son collègue qui était gain au moule de passe Jude Célestin et est-ce que nous capable tag monsieur pour moi Jude Célestin Jude Célestin Jude Célestin. Bon. Jude, moi, tagou en bas là, oui, Jude Célestin. Moi, tagou. Attends-moi. Jude. Jude, pas qu'à monter, non, parce que Jude, pas. Dans mon sens, ça. Jude, moi, tagou, oui.
Robinson dit me prendre un complot, pas prendre un complot. Bon, on connaît complot, c'est le type de c'est un bagaille qui définit le petit nègre. Et m'a prendre un complot, me dépasse niveau ça. Dit me prendre un complot, Roger. Tu me prends quelques camarades qui vous bail point yo. Et après ça ma bagaille. Oui, allô? What's comment up? La belle madame? Ça va. Je connais madame Fini, Brofelli. Oh boy. I was ready, yo. Pour débarrasser. You just don't know. Yeah, but whatever. So, you have a Fini, fine. Bossal, lesson. Okay with that. Non, pas de problème. Écoutez, nous sommes nous très bien, on m'apprécie ça. Non, pas de problème. Écoutez, la porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte. Merci quand même pour la participation. Oui, merci. All right. OK. Bye. Bye. Ma pointe quelques mots. On va prêter en pile, on a placé quelques mots. OK. Oui. Oh, prof. Oui, camarade. Du même que m'a salué tout l'autre camarade, dis-nous que nous prenons mettez cette chute dans le pantalon une fois de plus. Parce que nous connaissons une bagaille, même j'en ai dit, le problème n'est pas sorti de monsieur, non? Il est sorti de une équipe qui a planifié. Non, attendez. Nous ne pouvons pas porter, nous ne pouvons pas dire rien, ni porter jugement, ni et attaquer. Et faut nous bailler au minimum de faut nous guérir, parce que peut-être il doit faire face à une situation, on ne sait pas. Nous ne pouvons pas spéculer et en nous laisser le soin pour être capable peut-être prendre du temps pour être capable d'exprimer lui, pour les raisons pour lesquelles. Mais nous ne pouvons pas porter et atteinte avec nous dans tout. Nous-mêmes, nous gagnons au minimum. Est-ce qu'on va demander nous? Nous pas qu'à faire ça. Non, je ne parle pas de l'absence, monsieur. Je ne parle pas de l'absence parce que ça qui arrive, n'importe quel cas, inconvénient et puis il n'est pas présenté. Mais au moins, il y a un texto qui permet que les justifier cette ligne, mais pour qui raison, il n'y a pas qu'à faire. Donc, yeah. Je pense que quelque soit la circonstance. Bon, même, que, non, je pense que pour ça, le cas utilisé pour le faire, il revient à lui-même. Nous ne pouvons pas dire comment pour le faire. Est-ce que vous comprenez mon Dieu? Nous ne pouvons pas dire comment pour le faire. Vous comprenez? Et premier bagage, deuxième bagage pour nous apprendre qu'on est. Et jusqu'à preuve du contraire, nous avons une liberté. OK? Ils sont nos responsables de la liberté. Ils doivent choisir, décliner. Même là, ils ont commencé. Ils ont obligation. Ils sont obligés là. Est-ce que vous comprenez mon Dieu? Ils ont obligation. Je pense que nous supposons vraiment prudents dans la démarche nous. Pour nous éviter en quelque sorte de ne pas porter atteinte à la dignité de la personne et pour nous toujours utiliser nos démarches. Non, c'est ça, c'est très important. Je ne vais pas parler de l'absence, je voulais parler plutôt. Non, écoutez, faites attention, écoutez. Non, attendez. Et le type, il n'est pas qu'à victime par association. Moi-même, j'ai une capacité pour m'apprécier le type, pour capacité le grand de lit, pour le travail qu'il fait. Je pas qu'à peut-être parce que j'ai un désaccord avec un collègue, li, maintenant pour me décider, pour me ternir ou bien pour me porter jugement contre lui. Non, ça n'a pas fait sens. Il faut quand même un minimum d'équilibre et de balance. Parce que je ne vais jamais entrer dans un conflit direct avec un individu. Je ne vais pas parler pour me dire comme ça. OK, monsieur, ceci. Non, tout simplement, je connais que c'est un associé, c'est un collègue de camarade Morvan qui lui-même peut-être. Et gon démarche que nous qui doit considérer qui par favorable à moi.
il ne disconvient pas que m'a pas paraître pour mal pointer du droit camarade là du fait que n'est pas présenté là ça m'a pas de problème avec comprendre et je respecte monsieur me respecter et capacité intellectuelle nèg là me respecter dimension ni maintenant je c'est lui même m'a pas dire non plus comment pour lui comporter ni comment pour lui venir s'il décide ou pas ça s'y revient à lui même mais pour ceux qui attrait pour nous entrer dans démarche pour n'altani pour nous dire ceci pour nous dire là pour nous dire moi pas penser ça m'a pas penser ça m'a penser que ça sont l'autre bagaille comprendre nous pas faire ça nous pas on quitter ça on quitter on quitter on nous parle le bénéfice on nous parle le bénéfice du deux comprendre n'a pas ça maintenant et bien OK pas de problème merci ma camarade nous là la camper et bien ouais n'a pas camarade du et camarade prof, m'salue chaque grain auditeur. Amen. Kap gade live ça. C'est sûr que t'es gon grande attente de débat ça. Ça fait plaisir parce que son bagay positif li tapi. M'pa konn ki direction le débat t'ap pral pran, mais le fait que débat généré autant d'attention pour moi même son victoire lié pour la jeunesse, son victoire lié pour dialogue, son victoire lié pour bon bagay. C'est dommage pour raison que moi m'avo peut-être beaucoup connaît camarade Delva pas présenté il pas répondre au rendez-vous. Bon question bien pour vous prof. Qui dernière fois ou tu as parlé avec camarade là? Hier et mercredi. Mercredi tu t'es conclu? Oui, alors que... tu t'es conclu que et il t'a venu mercredi. OK? Mais il dit comme ça mercredi midi pas bon pour lui. OK? Il dit mercredi midi pas bon pour lui, il choisit une date qui bon pour lui qui c'est jeudi. C'est lui qui t'a choisi. Nous avons preuve yo, il gagne texte écrit. Il dit l'a venu mercredi. Maintenant il dit monsieur que moi le faire flyers, il dit pas un problème. Et deuxièmement, il dit monsieur dit l'a choisi propre thème, m'a le pour choisir propre thème. Alors faut comprendre tout rhétorique et politique dans ce thème pas. C'est lui-même qui choisit le thème là. Thème sur qui nous avons le débat là. So moi qui t'ai dit. Et puis bon, écoutez, je fais tous les préparatifs nécessaires. Il faut comprendre que c'est avant. Et je vais comprendre tout ça avant que Kamad Morvan ait fait la whatever it is. Mais peut-être qu'il y a d'autres facteurs nous capables de considérer. Est-ce qu'on comprend? So basically, moi bon, c'est que c'est à ce niveau-là. Vous comprenez? Et j'ai les documents, j'ai les preuves. Que il était accepté volontiers pour le devine participer pour le devine dans le débat, il a fait choix du sujet et d'autant plus que il était dit qu'il va avoir des problèmes pour venir avancer thèse. Est-ce qu'on comprend Mazou? Bon, toute bagaille claire, toute bagaille est établie. Bon, à moi même Jean-Moël, à moins que c'est une force majeure qui t'a fait que n'est pas présenté, amen. Même yon tant que j'ai un camarade là t'a dit avant, même yon texte, même yon comme si on communication quelconque, tu as le droit de dire, je ne peux pas présenter. Pour moi-même, ça c'est opinion pam. Il paraît pour le moment comme un boycott, comme un sabotage. C'est comme ça, moi, well. Je suis gardé de la question là. Nous connaissons nous fort dans boycottage. Nous connaissons le haïtien, nature, fort dans boycottage. Attendez, mes camarades. Nous connaissons, nous avons pratique ça la caille, nous avons ça dans mœurs, nous avons vie ça la caille. Boycotter le monde pour satisfaire quelque chose. Mais le type dont il est question, s'agissant de Don Luis Delva, nous avons deux poids. Pour parler du bénéfice du doute. Exactement. Parce que le type, le calibre, l'étoffe dont il est, en tant qu'on n'est que bien sûr qui fixe sur le cap, attend quelque chose de positif, de nouveau, de neuf pour la société. Hein? Bon, c'est que le pape inscrit une dynamique comme ça, la prend le dessus de la hauteur pour le capable, bien entendu, tracer, dessiner ce ça qui était fait pour Nouvelle Haïti. Moi-même, c'est comme ça, je comprends. Je ne pas inscrit dans la dynamique, ça. Mais vous-même, vous avez avancé pour là. Merci. Et avant live, ça a été fait. Moi t'ai posté comme si moi t'ai fait promotion pour débat parce que moi c'est un jeune qui était quoi bon si après les jeunes de toute façon parce que c'est si sous l'âge bon de toute façon moi c'est un monde qui était quoi que quel que soit débat la bénéficier la jeunesse
Moi, je crois que si on te gagne moins de colangiette, maman, moins de vous, moins de l'homme, de plus de débat, il t'a pris un bon bagage. T'es inscrit dans la dynamique ça à côté que nous t'a fait promotion pour lui. Et mon camarade qui te dit comme ça que, avant de débat, il dit comme ça que John pas présenté parce que Morvan a influencé le non-sens comme s'il pour le venir. Moi-même, moi t'es inscrit dans même. Moi t'es inscrit, mais ça a été opinion, aux amis. On m'a son jeune qui a avisé, et pas n'importe jeune. Moi t'es inscrit dans même dynamique avant, non sens comme si, moi dit que moun John Westedel va y a, même j'en sot di a, Kalib Mounsa, li pap kite Morvan ta influencé de telle manière, parce que son intellectuel avant tout, son moun ka l'école, son moun ki formé, son moun ki éduqué, son moun ki ka formé propre pensée, qui ka formé propre manœuvre, li propre démarche, li so. Moi même, moi te di kon sa que non, moi pas ta bay Morvan, pas quoi Morvan, il y a toute influence pour pas ta empêcher vini nan yon débat qui ta productif et constructif pour la jeunesse. Pour moi même, sauf que si on force majeure qu'elle va venir que la li même n'a pas bay détail, mais pour le moment là, honnêtement, moi même avec un pile jeune 500 m'ta gade là, nous très déçu. Parce que m'ne gen ba m'ba le faire. M'quitter ça m'va le faire pour m'ka chita sur débat. M'ka dit tout petit monde retire quoi nous là m'va le suivre un débat. Et m'fait promotion pour lui et m'remet l'm'te recommander. Jusqu'à ce que même Patrick le partager, il dit son débat cap foutu et cap bénéfice cap au bénéfice de la jeunesse. Honnêtement moins déçu de compatriote là. Oui, mais ou pas qu'on déçu parce que lui pour qu'on baille raison. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Mais comment vous dites à l'heure ah mais l'autre pas là avec professeur. Ou dit quoi ça que ça c'est peut-être avant que démarche pour classifier pour qualifier des moun fou a. Ya. T'es fait parce que bon zo. John Wasserman nous a dit a yon moun yo qualifier de moun fou m pa pral avaliser, m pa pral bal aucune valeur non sens comme si. Al fond débat, pas moi demander si moun fou ça dans débat, il paraît très cohérent. Très consistant et puis les précédents et peut-être nous ne faut pas sembler encore au moins dans les dit ah pour me corriger les amis pour me corriger Morvan moi même je bagaille c'est vrai elle m'a parlé comme si quelqu'un nous dit qu'on est Morvan en réalité où soit dit à fort alors il pas voulu venir pour nous venir et valider que pour démontrer que les amis là n'aille pas si qu'on y a venu nous dire Zamou qui t'a qualifié au nec de moun fou. Écoute, on vient dans débat avec elle. Maintenant, dans débat, ça, on vient de rendre compte qu'il n'y a pas lieu pour ça. Là, c'est problématique parce qu'on va déshabiller Zamou là. Maintenant, deuxième élément qu'il doit considérer tout en tant qu'un grand intellectuel. Si, yo t'a avancé un postulat de départ, est-ce qu'on t'a dit? Yo t'a avancé un postulat de départ sur un monde. Maintenant, ou même démarche en tant qu'intellectuel, même là vous avez des données, si l'occasion se présente pour t'apporter quelques clarifications, bon, elle est nécessaire, indispensable à ce niveau-là. Oui. Et puis tout, Kalib Moun John Westedel Vaïa, Kalib Moun John Westedel Vaïa, moi pense que s'il te vient dans le débat, l'étape bien assez, selon moi, si niveau intellectuel que l'IA, l'étape bien assez mécanisme, assez manœuvre pour le prouver qu'on fouvre. Ça veut dire ça que si vous avez dans le débat pensant que vous fou, ou bien dans l'étape tout intérêt pour le prouver qu'on fouvre, parce que son intellectuel quand même. L'étape pour le commettre des erreurs. Oui, ou t'as d'accord avec comme s'il t'a plus bon pour moi vendre parce que moi dis monsieur fou, mais John Westley elle va prouver monsieur fouvre. Ah, oui. Ça veut dire ça que selon moi, Vini John Westedelva tapi et un avantage Morvan connaissant que son intellectuel on dit que entre parenthèses entre guillemets quote on quote que c'est Joël son intellectuel qui vient prouver next samedi fois le fouvre mais John Westedelva déshabiller monsieur complètement montré par A plus B dans réponse monsieur dans réaction monsieur c'était quand même une série de provocation pour le prouver ça en mille dit à quoi fou so, oui, au démarche qui a confirmé. Il y aura une occasion, non. Moi, c'est pas moi-même, tout le monde connaît.
Full disclosure. Non, faites attention, oui, là. Parce qu'on va pas pour l'instant, je suis pour Goris. Parce qu'on n'est qui respecte les réseaux sociaux. On va parler au monde fou, là. Et professeur, il vient. Bon, moi-même, grâce à Dieu, moi j'ai capacité, moi j'ai intuition, moi j'ai clairvoyance pour me juger au monde de par propre mérite, mon nom, au lieu de ça, mon zimne li. Ça, moi-même, son bénédiction, son bagage que je travaille pour les tout, pas un hasard, que je me ça. Je forme tête pour me faire ça. Vous comprenez, je m'encourage l'autre monde faire de même. Mais moi, je bagay. Tout le monde sur réseau connaît définitivement que moi-même avec mon ventre dans le passé, nous avons un bif. Mais moi-même personnellement, moi pas jamais un jour, une seconde raïte si planis souhaiter un mal pour lui. Et les miens désaccords publics avec moi dit pour qui ça. Et pas jamais gratuit. Mais connaissant mon ventre, son type qui exigeait loyauté totale. Ça, moi-même, je connais de lui. Son type comme si de pour avoir faut loyal. Il est comme si faut bal full loyauté. Ça va taper ton du tout, connaissant le type, s'il t'a fait une pression sur son compatriote là pour le boycotter le mouvement. Je dis ça franchement. Non, attendez, c'est quoi que je dis là? Parce que soit dit là, vous voulez dire que même un intellectuel de cette calibre, dans le calibre ça, il n'y a pas d'autonomie de l'esprit. Il n'y a pas de liberté de l'esprit. Parce que soit dit, sous dit ces pressions, il prend. Bon, hypothétiquement pas, non, c'est hypothétique. Oui, n'a pas avancé. Oui. Sous. Moi, je ne dis pas, même si il est capable de faire, il est capable, il est ça dans lui pour exiger full loyauté de ne pas avoir le compte lui, son type consacré. Les actes, moi-même, vous commencez à faire un mouvement. Vous pensez qu'à un certain niveau, il y a un intellectuel de qualité pour John Wesley Delva capable de soumettre l'esprit comme ça avec pression, camarade. Moi-même, je suis un petit peu. Oui, au point pour le pata honoré, yon propre engagement le prend. Entièrement possible. Li entièrement possible. Parce que moi-même, je suis un monde qui suit, qui analyse, qui étudie le réseau. Yon monde nous capable d'accord avec ça, me dit, that's fine. Mais moi-même, je suis dans le vide. Ni parce que je suis bif avec Pio, mais avec Jacques. Relation John Colin Morvan avec John Wesley Delva, son relation qui. Il bénéficie tous les deux, bien sûr. Mais selon moi, selon j'aime comprendre le réseau, selon j'aime étudier le réseau, les plus bénéficiés John Wesley Delva. Et en sérieux, on ne peut pas être menti. Si là sont intellectuels, si là sont hommes, moi j'ai grande estime pour lui. Mais, dans la dynamique, dans la relation avec Morvan, ou pas, moi pas connais. John Wesley Delva juste parce qu'elle sont intellectuelle, moi pas connais parce qu'elle tape dans la radio Caraïbes, moi pas connais parce qu'elle sont grand poète. Et c'est tout ça nous dit oui. Moi connais parce qu'elle sont amis Morvan, parce qu'elle sont sous BBJ. 90% moun kounya là qui suivent lui, yo suivent lui de par rapport association avec Morvan. M'a pas tiré crédit capacité non. Mais nous clair sur ça que gen 10 000 moun sous réseau qui en capacité John Wesley Delva, qui gen intellect li, qui aussi que moun pa konnen. So nous clair sur ça, nous clair que li construyon aura à partir de relation lui-même avec John Colin Morvan, ça li indiscutable. Ça veut dire sont absolument là, c'est son gros problème de proximité, c'est-à-dire que et bon, si était journaliste déjà en quelque sorte. OK? Bien sûr. C'est-à-dire que il connaît l'importance et l'influence des médias sur les esprits. Ceci étant dit, dans le cas de ça, l'a toujours, vous pensez qu'il a toujours plutôt et hypothéqué capacité intellectuelle, li, jusqu'où il est capable de bénéficier visibilité ou par acquaintance, lui-même avec Radio A, jusqu'où il est capable. C'est ça dire fort. Bon, il bénéficie grandement, il n'y a aucun doute de ça. Ça va, c'est bon, nous. Moi, Van, pour moi-même, moi, Van, pas nécessairement son monde qui a les plus mauvaises intentions du monde. Je pense que moi, je vais aider en pile dans la dénonciation que l'a fait. Mais moi-même, là, moi, comme si des intellectuels marchaient à moi, van, j'ai fermé, tant que moi, puis j'ai pété, ça dérangeait. Il dérangeait parce que si je suis amis ou bien si je suis vous, il faut me suivre ça bon, mais pas me suivre à l'aveugle, tant qu'on disciple. Moi, j'ai un problème avec mode intellectuel qui suivent mode monde, tant que moi, je suis à l'aveugle. Parce que, type là,
li gon seul spécialité qui c'est dénonciation. Mais si pas formel, pas informel, pas éduqué, ça veut dire quoi ça que faut qu'on ka fait différence là, faut qu'on ka rejeter ça le fait qui pas ça le dit qui pas bon yo. Mais si on décide de suivre on disciple là, moi même personnellement niveau estime que m'a rien pouvoir obligé diminuer. Y a mon dieu qui dit mais Jude Célestin ou t'es avec mon vent dans le passé. Mais bien sûr que m'a avec dans le passé. Mais moi même moi fier pour me dire quoi ça tout, c'est ça au moins vite détecté qui fait que moi m'avel nous pas amis encore, que Lolo avait pas amis encore. Moi la voisine doit prendre une très belle initiative. Moi décide de participer dans initiative là au préalable parce que moi idée bonne. Mais là m'a prendre connait la voisine en profondeur et puis moi chet la voisine pas gain pas étoffe moun ça qui ca mener bataille sur qui gain ça l'a chercher et puis me dit qu'ça passé. Nous pas faire ça quoi. Yeah, au campé. L'homme min campé comme ça qu'on a là dossier min dehors. Vous comprenez ça, moi vend un dossier tout le monde de pas 1000. De pas 1000 moi vend. Li gen dossier. Tout autant bien avec dossier là. Qu'on pas 1000 dossier à prendre la rue. On comprend c'est comme ça lié. Là il que c'est pas pour moi même ça pas bataille pays. Bataille pays, faut montrer moi pas A plus B que moi c'est un monde qui gênant pour pays qui relait Haïti a. Faut montrer pas A plus B que ma crase Haïti, faut montrer pas A plus B que mes tel comportement que me fait qui pas bon pour Haïti, qui a dérangé Haïti. Moi dis ça prof, me défends nous dans sens, me pas toujours d'accord avec vous. Me pas toujours d'accord avec vous. L'homme dit pile bêtise yo, moi pas là, me pas rien même moi ou compte suivre moi tout, ou me pas perdre voyer, me pas perdre dire bel coup de colin guette maman tout leur mérite. Me pas on est qui pieux. Dans sens ça tout, me pas un problème non sens. Moi pas dans style Morvan ni dans style Wendy Fell qui pas dit bêtise. Moi m'a dit bêtise. Depuis attaquer, moi vinn dit bêtise, sous prétexte que son nèg de bien, moi pas droit dou bêtise tout ou tromper. So démarche dit bêtise ou parfois m'doube quel trop gratuit non sens comme si parfois, li konn pas mérité mais c'est normal. Si on mon attaquer, moi vinn dit bêtise, m'a dit bêtise. Moi clair sur ça. Là de moi moun qui dit moun bêtise, li pas déranger moi non sens depuis moun nan chercher l. Li joine ni. Donc automatiquement que ou pas en mille li gen dossier pour moi même ça parler fait pays faut montrer que la voisine fou ma gen problème avec la voisine fou dans la mesure où la voisine fou va monter côté elle était ministre côté elle était sénateur côté elle était député côté elle tape comme dans yon mulat pour craser pays côté elle tape comme dans yon ministre dans yon sénateur dans yon député pour soit ba yon belle revue online ou bien pour aider craser Haïti fou la voix après j'aime déranger m'a bien là pour justifier tête moi parce que avantage moi gain c'est que moi censé son livre ouvert sur Facebook là mon yo petite moi yo madame moi là mon voyage ouais là m'la ca moi yo connais là m'a pour les belles machines yo connais là fait m'ba yo connais moi public moi gon dossier que moi vente te mettre qui public m'a bien là pour justifier tête moi de dossier ça mais on se bagarre m'a dit ça pas aider la République d'Haïti en rien du tout. Même j'en dis qu'au fou, pendant qu'on mène une bataille pays, pendant qu'on pense qu'on a une démarche pour éduquer la jeunesse, pour qu'on mène pour Haïti, moi pas ouais, nan ki sa fou a dérangé. Fou a tap dérangé, nan mesure où, ou a fait bagay pour craser Haïti. Pour moi même, nèg a mal bataille. Et public la pour diable, en pile nan yon pas éduqué, yon confond tout bagay. La voisine fou, et bagay pour qui garder la voisine. Question mien pour la question mien, est-ce que la voisine est en Haïti? Est-ce que la voisine a bataille pour Haïti? Est-ce que la voisine inscrit dans démarche pour protéger et défendre Haïti? Est-ce que nan ki sa la voisine a fait appétit Haïti? Depuis que réponse sa yo positif en faveur d'Haïti, m'baker. Nous tout a fait même travail différentes formes. On pas que moun pense que comme si seul jan ou ka utile Haïti, c'est dans dénonciation seulement. Oui, mais attendez. Ça dit vraiment important, parce que ça est cité à réfléchir. Écoutez, cette question que bagay vini dit au monde fou ou pas, ça c'est l'ironie du diable, mon frère. Ça n'a rien à voir. Chita d'ailleurs, j'ai dit que doit chita là, mon média, au téléphone, mon bouche, mon micro, mon bouche, mon paraître, mon dossier, et puis moi, je tombe radoté.
Maintenant, écoutez, ou pas pour un homme de calibre même temps pour qu'on y a pour tendre ou à dire ou prend j'ai un respect profond pour camarade et Delva. Mon baratim, journée jodi, hein, yon individu donc ou morfond, sérieusement, on y a vini à dire un dossier ou pensez que avec moun ni gen yo la comme si ou pensez m'gal descendre dans niveau comme si pour mal justifier devant moun gola. Non mon cher, écoutez mon frère, m'di un petit bagage brother. Déjà prendre la hauteur, gata quitté quatre ça longtemps. Frère m'te m'di peut-être gen moun ki pa fin comprendre dynamique là. Gata au-dessus de la mêlée. Mes scrutin m'a déjà dans ça. L'accès avec connaissance m'a dispensé, il ne sera jamais gratuit. M'ba mette kassa, m'ba mette zèle. C'est-à-dire, il y a un effort considérable de la part de ceux et celles qui ont besoin d'accès à connaissance moyen. Maintenant, j'ai fait usage, en quelque sorte, de méthodologie PAM, connaissant, bien entendu, peuple, tinek nan tête green qui toujours poté bourré dans les affaires moun. La raison pour laquelle que si m'te besoin popularité, j'aurais pu m'associer en quelque sorte avec quelques individus, entrer en bas avec eux, ou bien formuler des marchements de façon plus souple, plus nice, plus sweet. Ouais, écoutez, gardez la ma gars, si vous gardez bien en bas, regardez, vous avez un pile de monde qui a pas là, vous avez bloqué, ou vous avez un pile de monde qui a joué en bas, là, je dis à la route, vous avez répondu, vous avez même formulé. Écoutez, j'ai une conception holistique, globale, de l'homme, c'est-à-dire j'ai une anthropologie qui quitte. Ça me l'a dit. Je sais me servir du logos, je sais me servir du pathos pour assouplir, faire passer point. Par exemple, je dois arrêter là, me faire usage de l'émotion. Je dois arrêter là, me faire usage de ça y aurait les bêtises là. C'est un choix qui inscrit nos stratégies pour m'empêcher des individus d'accès avec connaissance moi. Mais si m'ta mande kachap, m'te mette là pour mettre zèle. Si m'ta mande kachap, m'te mette bagage, c'est normal, étoile. C'est normal qu'on y a m'ta sous contrainte de l'audience. Non! M'ta sous contrainte de l'audience et à partir de là, m'ta va l'obliger conformer au désidérateur de l'audience. C'est-à-dire que qu'on y a m'ta va l'adopter un comportement, une méthodologie beaucoup plus souple pour permettre à ce que moun ait accès. Parce que une raison, c'est que c'est marchandage m'a fait, c'est commerce, c'est commérage de connaissances m'a fait. À ce titre-là, puisque me connais des moun qui pas bon sel, parce que moun n'bral di mon cher, ou parler trop causé, m'pa bon sel encore, moi pas bon étoile encore, mon cher, ou pas parler on l'autre gens. Écoutez, m'inscrit tête maintenant dynamique ça pour me préserver, ça m'a prodéa qui c'est libre esprit, qui c'est capacité moun gagner pour capable libre dans l'esprit et libre dans l'expression. Est-ce que nous comprenons notre jour? So basically, c'est un choix stratégique que je fais. Je ne vais pas quitter comme si mort, je ne vais dire, oh oui, je vais essayer, je vais là. Non, le type, écoutez, il parle à la hauteur pour ça. Et ce que je dis, c'est celle de la société haïtienne, à 80% de monde qui ne connaît pas qu'on écrit, qui pour accepter une forme de médiocrité de cette nature, vient parler dans notre monde. Quand est-ce que éclairé? Quand est-ce société? Moun à l'école qui compte libre de les sociétés avancées. Et les sociétés avancées, sociétés moun qui vraiment solide, qui cultive l'esprit critique. Yon individu de cette nature, de cette espèce, ou pensez, li tap gen micro nan bouch li pou parler? Non! Yon tap voel al retourner à Chita pour la prendre métier, pour la prendre ça la faire, pour de façon pour capable de venir parler sur moun. Non, cher! C'est comme ça. N'est-ce pas pour jouer de ce qu'on appelle une fabrication d'ignorance en dedans pays? 80% du peuple n'a pas compris qu'il y a une ignorance. Ils ont fabriqué l'ignorance. C'est normal pour un individu de cette espèce venir pour parler, j'en parle, venir penser qu'il parle des dossiers. Bon, écoutez, il est capable de dire ça. Vous demain, si Dieu veut là, monsieur, il doit arrêter là, il y a un dossier, il vient de dire oui, et j'ai dit c'est ma sissi, il doit lever là, demain, si Dieu veut, il vient de dire oui, j'ai dit c'est volant, il doit venir là, il y a un dossier. Mais le type, il doit venir faire saluer
Parce que en réalité, 80% peuple a pas qu'on lit, c'est normal pour faire l'usage de micro là pour manipuler les esprits, les petits esprits, mais des hommes concours qui avisent, des intellectuels qui cultivent l'esprit critique, des intellectuels qui sont libres, ou pour son individu de cette espèce qui a suffisamment d'audacité. Qui est-ce qui peut avoir que ces maquillages que le fait usage de quelques intellectuels et alentours pour qu'on soit capable de cacher la médiocrité? Faut pas avoir un niveau de sens critique seulement pour pas avoir son maquillage. Que nègre mette quelques hommes qui qualifiaient d'intellectuels dans la société, bon côté pour capable maquiller ignorance, maquiller incapacité, maquiller niveau analphabète qu'il a cali, et puis qu'on y a, vous pensez, non, mon chat, sérieux. Y'en a qu'un coup, y'en a qui éduqué, qui formé. Ou pensez, pour faire partie de ces petits esprits, de ces individus qui pas vraiment un niveau de formation équilibré pour être capable d'une chica de un individu comme ça qui joue dans n'importe quel bagage. Oh, il y a un dossier X, il y a un dossier Y, il y a un dossier côté ci, il y a un dossier là, il y a un dossier côté. Ou pensez ça? Et puis qui sont pas le faire? On va le perdre du temps. On va le perdre du temps même avec Napoléon qui va dépenser l'argent pour traîner individu ça à la justice. Mais c'est pas pour ça. Pour moi, comment vous mettez pour me traîner la justice à qui fait? Bon, n'est pas contre ça de justice. N'est pas même contre quoi mon bagage au marché. Quand je connais bien, pour me perdre avec ces espèces. Oh, vous guillez. Non, écoutez, guillez bataille, fait qui toi noble. On prend même définir un cadre. Mais c'est pour me perdre avec espèce cabine prend dossier moun. Li pou nou la moun n'a pas été dossier. C'est en façon. Moi même yon n'a plus grand problème, c'est que il y a un défi et il y a un enjeu crucial par rapport à la liberté de parler, à la liberté d'expression, à la le type est dangereux à ce point. Il faut comprendre que le type est dangereux parce que si ou il entre avec ce qu'on appelle le métier de journaliste, il entre avec ce qu'on appelle la liberté de s'exprimer en dedans de la société. C'est un danger pour la démocratie dans le pays parce que n'importe monde en dedans le pays a des difficultés pour l'exprimer, sachant que ce type, ce individu-là, pas venir paraître parce qu'il n'est pas entré dans ce sens-là. Oh oui, il y a un dossier, il y a ceci. C'est ça le problème. Côté me vire me tourner sur réseau depuis non mentionné yo dit amen moun fait commentaire moi même me préfère tendre parole là dans bouche tig là directement Morvan avec bon équipe lui dit comme ça que hôtel ba menti soit Aristide pour ka joindre visa à la France raison que fait me poser question parce que gen 10 000 moun ka fait commentaire de ça et puis yo reprend comme une vérité absolue. Qui vérité qui est dans ça? Que comme si vous avez menti ou t'es boycotté Aristide juste pour te faire un visa comme réfugié ou bien comme militant, quel que soit le genre de jeune. Premièrement, je n'ai pas de problème avec Aristide. Parce que, maintenant, je m'explique au contexte. En 2001, il y a une démarche qui était visée pour gouvernement en place à diriger par Aristide fait mémise sur l'université d'État d'Haïti par rapport au principe d'autonomie de l'université. Maintenant, moi-même, j'étais en première année, inagué. Maintenant, je fais partie d'une organisation étudiante, c'est normal, pour me camper face à l'autonomie de l'université comme principe de base pour me bataille. Maintenant, gon problème direct percé avec Aristide, non. Gon problème direct percé avec le fait que Aristide a fait tentative pour le faire mise sur l'université d'État d'Haïti pour le mettre en bas griffli. Oui, ça me dégage problème parce que j'étais un étudiant à l'université. OK? Deuxième bagage, faut l'université a fonctionné d'après constitution de façon autonome, sans que li pas orienté, li pas en bas griffe pièce gouvernement politique. Deuxièmement, j'avais un problème direct avec le sénateur Dera Simon Dussel, qui était lui-même un sénateur en fonction, un sénateur à la Manasse.
Faites attention, il y a ça, mon petit là. Sénateur Lavalax. Maintenant, monsieur a enseigné pour moi. Il était mon professeur. Il enseignait mathématiques appliquées à la gestion. Mais aussi, monsieur était inscrit tête-li dans une démarche qui vise à politiser Inagi. Dans le sens que la BAC pour l'Ouest, il apprend. Et organisation qui est dans le mouvement, en dedans Inagi, pour le mettre en bas, en Mbouela. Lavalax. Ça aime bien? Faites attention. Maintenant, comme monsieur, il était associé là avec Inagi, c'est lui qui était en charge, qui était chargé pour l'université. Il est venu bon côté, sachant pertinemment, mais côté clair avant, mais côté pas de problème à monsieur. Tendez bien. Les monsieur vient bon côté, il tendait que une association dans le mouvement, dans l'université. Monsieur Rangé Col, pour lui mettre mes mises sous l'université. Pour lui prendre. Mouvement, non même. Est-ce que vous attendez? Non, m'attendez. Vous posez vos questions pour occuper. Il faut suivre de près pour me clarifier. Yeah. Monsieur a décidé pour le venir prendre mouvement, non même pour l'orienter. Attendez bien, oui. Faites attention. Pour entrer politiquement vers Lavalax. Oui. Mais il n'est pas venu directement comme ça. Vous comprenez bien l'enjeu, oui. Il est venu comme si la supporté cause. Une table bataille pour lien qui sait. Combat notre éliminatoire en dedans pays, en dedans université. Est-ce qu'on peut des amis? Parce que dans l'année préparatoire, il y a une question de notre éliminatoire. Si vous faites notre éliminatoire dans la première année, il y a une méthode en dedans Inagi. Et notre éliminatoire, ça, les professeurs ont été utilisés comme étant un outil pour être capable de coucher étudiants en dedans université. Pour faire champagne. Yeah! Maintenant, ma mené bataille là dans ce sens, faites attention. Monsieur vini pour le prendre mouvement en même. L'el vini pour le prendre mouvement en même. Moi, campé en quoi face à monsieur. Maintenant, l'el campé en quoi, monsieur fait mon bagaille que li prend moun pal. Tandis bien, qui était dans l'autre université, qui était entré en bas griffe, Lavalax, li mené en dedans espace Inagi. Tandis bien, oui. Pour yon vin bay conférence de presse en dedans espace Inagi sans que li pa mande nous même kap mené mouvement. Là, m'di monsieur m'bal montre monsieur que le pas intelligent. Moi même m'défini stratégie pam, moi frappé monsieur sur le plan politique. M'lage monsieur nan kouri, ça c'est stratégie pam, et m'campé derrière. Et si possible, dans le cadre pour me défendre mouvement, m'a fait et m'a montré n'importe nèg là que yo pas qu'à insulter intelligence. Maintenant, m'lem la gueule monsieur dans courir dans capitale là parce que moi même clair sur ça, me camper derrière et bataille moi vienne vivre non point côté que monsieur lui même qu'on y a dans courir, Lavalax dans courir, moi même m'inscrit tête maintenant ça dans dynamique dans stratégie non et à partir de là, moi vienne sortir la situation que nous avons. Bon, écoutez, depuis, tout le monde a parlé, me fait recul, me retire comme de la scène politique, me retire comme dans bagala, jusqu'à ce que m'entraîne en dynamique, moi quitter le pays. Maintenant, pour quitter le pays, tu m'expliques nous bien pour nous connaître. Mais ça est important. Pour quitter le pays, c'est moi qui choisis. Tu as deux ambassadeurs, c'est moi qui choisis la France. Tu as bien? C'est moi qui choisis la France. Premier côté, je suis allé sur les États-Unis parce que papa, toutefois, je suis allé aux États-Unis. Est-ce que vous avez dit? Maintenant, les autres ne sont pas allés aux États-Unis, c'est parce que moun la kaimen te opposé avec des marches. Papa me suis allé opposé avec des marches pour une bataille. Quand il y a là, je choisis la France. Pour qui raison? Je choisis la France. Parce que les derrière, les campés face moi. Lavalax en général avec Aristide d'une campagne facile. Par contre, vous comprenez tout là. Bien sûr, son mauvais influent que lien. Comprenez bien, oui. L'homme vient dans Biflan Adera, je viens rendre moins compte, moi en affaire avec toute Lavalax. Les satégués Majorie Michel, où elle a aujourd'hui, voilà. Tégué Majorie Michel, qui était dans l'université, qui était dans. Comment on dit? Dans Douard. Majorie Michel était dans Douard. Et puis, yon tout d'une campé en face moi. Maintenant, lè mwen bay la vin campé en face moi, c'est lè ça. Mwen même mwen vin entrer dans bataille direct contre Lavalax. Mais au départ, c'est pas contre Lavalax mwen tap bataille. Est-ce que vous comprenez mon dia là? Logique, correct.
Au départ, nous avons bataille pour notre éliminatoire. Mais là, moi, des ravines campé en face moi avec toute la valance, c'est normal pour m'inscrire tête moi dans la bataille contre la valance. Là, montrer dans la dynamique, là, au lieu de montrer en bas mais la valance, moi, prends mouvement maintenant. Ok, moi, entrer en dedans, ça y aurait les Fédération étudiants universitaires d'Haïti, qui c'était feu à l'époque. Qui va parler en pile, ma barre, au coup de l'IA. Les montrer dans le mouvement, ça parce que le mouvement, ça lui-même, il a bataille de façon générale pour combattre et pour défendre l'autonomie universitaire. Maintenant, à ce niveau-là, dans le leadership, là, mouvement, quand même, dans le leadership mouvement, tu as gagné ce qu'on appelle convergence politique qui t'est campé face à Aristide. Tu comprends bien? Ça, c'est bagaille, coalition politique qui t'est campé face à eux. Nous-mêmes, nous dans le mouvement étudiant. Mais au fur et à mesure, nous venons garder nos mouvements étudiants commencer soit li pour la valasse, un groupe qui pour la valasse, et un groupe qui pour convergence. Parce qu'en réalité, il y a des étudiants dans l'université qui dans le mouvement qui fait partie de une série de partis politiques. Comprenez bien, oui. T'as coup OPL, t'as coup comment les KID, ils ont étudiants, mais aussi membres de partis politiques. Or, ils ont un mouvement étudiant. C'est-à-dire, une grande bataille considérable au niveau du leadership du mouvement étudiant pour y entrer mouvement ça en bas votre secteur. Maintenant, à ce niveau-là, moi-même, personnellement, moi, je vais mettre en place un mouvement yolé l'idée. Personnellement, pour me camper, pour me montrer distance, moi. Et c'est notre dynamique, ça, moi-même, je vais quitter Haïti dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez, Mabdou? C'est notre quatre mouvements, PAM, quitter Haïti. Je vais quitter Haïti comme si dans quatre des mouvements, ceci, cela. Bon, d'ailleurs, les mouis ambassade de France, bataille la votre corrigé, bataille contre Aristide, faut qu'on commence. Il faut qu'on ait manifestation dans la rue. Par contre, je comprends vraiment tout dans la rue. Faut qu'on ait même 2001, attendez. Honnêtement, 2001, faut qu'on ait Aristide, faut qu'on ait même une bataille sérieuse dans la rue, manifestation. Faut qu'on, bon d'ailleurs, faut qu'on ait même un groupe 184. Ah oui! Et c'est une raison, attendez bien, oui. C'est une raison. Moi, je n'ai pas de défi pour vous montrer un dossier. Attendez. Là. Pour vous montrer un dossier. Côté un jeune homme dans le groupe 184. Pour un jeune homme dans le groupe 184. Tu vas pas jeune. Pour moi, j'ai une question. Moi, je suis pas toujours votre mouvement Bossal là. Qui objectif ou qui finalité, qui sont voulés accomplir avec? Qui joue en ouette tête? Ou est-ce que Lavoisier, c'est un nez qui a une ambition politique dans le futur? Est-ce que, comment mouvement est? Mouvement Bossal? Qui est-ce aspiration avec mouvement Bossal? Je n'ai aucune affiliation. Hein? Ça, c'est le premier élément. Aspiration, Mando. Oh, aspiration, qui? Okay. Écoutez-moi. Mouvement Bossal, là, c'est un mouvement qui chita son philosophie. Une idéologie qui campait face avec un système. Attention. Permettez-moi d'expliquer parce que ce n'est pas un bagage qui est aussi facile. Nous d'accord que, de par notre histoire, de 1806 à nos jours, il y a un système qui est en place. Je fais analyse systémique, je dis système, non, il y a quatre niveaux là-dedans, il y a l'international, et puis il y a ce qu'on appelle parti, ça a relé, les Milas, qui sont ici au Liban, le deuxième niveau, Cap Juif. Qui contrôle l'ensemble des appareils de production. Et puis, nous gagnons un petit classement maintenant, troisième niveau, et nous gagnons peuple là avec jeunesse là. Ça donne bien, oui, pour comprendre. Maintenant, nous venons inscrire tête dans nos dynamiques que l'État nous gagne là, je ne veux dire, qui fait que toute tentative révolution qui fait par le nègre pour être capable de changer le système, non, c'est que l'État, ça, c'est l'État pétion. Et l'État pétion, il gagne une philosophie. Les gens ont raison, la travail pour protéger l'intérêt des Mila. Et c'était ça, c'était raison ça même qui fait pétion, t'es campé l'État, ça, il t'a assassiné des Salines pour t'écraser l'État des Salines. Maintenant, faites attention à ce que je dis là maintenant. T'aimes bien. Mais constatez que majorité échec, t'inègue ma tête, n'a fait sous scène politique, là, c'est parce qu'elle n'a pas jamais réalisé que l'État, ça, elle, qui est en place là, c'est l'État pétionnier. À chaque fois, Tinek va être venu monter sous lui. Est-ce que vous entendez? Lycée Kwekol, li casse bouche, Tinek va être venu. Li casse bouche, Tinek va être venu.
Et nous voyons ça, bien entendu. Li fait pour Aristide, li fait pour petit monsieur Jovenel, li fait système dit l'état ça mange. Maintenant nous dit tête nous l'état ça m'a pas inscrit tête moi là-dedans. Et c'est une raison qui fait m'a des accords avec Claude. Est-ce que vous comprenez ma dieu? Raison qui fait m'a des accords avec Claude lorsque Claude dit moi ça que li pral servir l'état, après ça li dit li pral venir occuper fonction. Moi dit Claude, ou qui doit venir dans l'état, ou qui doit servir l'état. Mon pas pas gain aucun changement que au cap aussi. Excusez-moi. Il n'y a pas de changement qu'on a capoté. Ceci étant dit qu'on y a même inscrit mouvement par maintenant, dans la dynamique pour me renverser le système. Et pour me renverser le système, ça, c'est renverser l'État. Il y a une raison qui fait que je ne suis pas entré dans l'agenda démocratique. C'est-à-dire que je ne suis pas entré dans l'agenda démocratique. C'est parce que même l'État, ça, utilise la démocratie. Hein, en Haïti comme une illusion. Une illusion pour kembe si nèg nou tête grain pour pas jambe font révolution. Ça me dit pas là. Ça me dit ou a toujours à chaque fois si nèg nou tête grain font coup, il choisit un président ou bien il choisit un président pour li vendre ni et puis automatiquement même système nan manger président ou bien bay président coup d'état et même système ça assurer transition et même transition ça pral faire élection pour venir vendre nous encore un autre candidat. C'est-à-dire que gon cycle vicieux ou prend la donne. Moi même, m'pa vle inscrit tête dans cycle vicieux ça. Moi pas vle aller dans question élection comme si pour venir candidat et puis pour venir sénateur, député, président pendant ce temps pour me dire m'pral changer même l'm'ta gen volonté pour me changer. Mais les rive dans tête l'état ça tellement capturé tellement émulation libanais ou bien pris sous l'état ça n'importe petit mouvement changement t'a fait yo camper pour manger y a jusqu'à ce que yo bon coup d'état ou bien assassiner et là fin bon coup d'état yo appareil l'état l'odem que toute émulation libanais contrôlé même les tout peuple a élu président camarade qui changement qu'a fait non l'état qui pas pour moi. Jamais. Ceci étant dit, là, moi-même, moi campé, moi dit, un, moi compte démarche démocratique ça qui sont illusions. Deux, moi dit, n'importe l'État ça, ou là, l'État ça, il n'y a pas qu'à porter un yé pour le système, non pas qu'à changer un yé pour t'y net boîte green. Et troisièmement, si pour nous arriver à vider le système ça à terre, li pa ka fait ni dans des choucages, attendez, li pa ka fait ni dans manifestation parce que c'est toujours l'illusion démocratique. Ceci étant dit, nous obligés adopter une stratégie. Parce que si nous pas adopter une stratégie qui vise à renverser système, non, système n'a toujours fait nous comprendre que c'est l'État messieurs qui a gouverné le problème, non, système n'a toujours fait nous comprendre c'est démocratie le problème, non, mais système dans lui-même l'a toujours perpétué tête li dans le temps. Moi-même, c'est dans ça que je m'inscris tête. Moi. Mouvement Bossala, qui ça le dit? Mouvement Bossala a commencé avec la révolution mentale. Révolution mentale qui consiste à faire tiner la tête grenée, prendre conscience que ça représente la journée aujourd'hui. Démocratie pépé à venir. Français, anglais, ou nous, qui devant nous, Américain, qui a joué la venue, qui a choisi leader pour nous, là. Milati au Libanais, nous, qui toujours là, malgré pays crasé, brisé, élection, gouvernement, les Milat là toujours là. C'est que tout bagage ça yo c'est illusion yo fier pour yo kakembe nous même ti nèg nou tête grain 80% ti nèg nou tête grain dans l'esclavage dans misère dans grand goût maintenant on pas penser ou pas penser que ou pas penser que ou t'a ka fait plus impact à l'extérieur qu'à l'extérieur ou pas penser ça ou pas penser ça parce que je pense que au moins à l'intérieur, ou prenez quelques leviers dans le monde, mais ou à l'extérieur, ou juste là comme si on a philosophé, et puis on a dit, mais ça qui n'est pas bon, et puis c'est tout. Mais non, à l'intérieur, on va penser qu'on a fait un minimum de changement, même si comme si on pas arrivé à faire révolution que nous tous espérons que tu as fait là, on va penser qu'on a bien plus levier dans le monde à disposition, c'est comme si on a gagné un parti politique ou inscrit ou dans une démarche politique. Pour non seulement wap di, wap éduquer, informer jeune nan, mais pendant wap faire, wap montrer comment pour yo dwe faire, mais à l'intérieur du système, vous pensez que à l'extérieur du système, vous plus productif? L'histoire démontre. L'histoire démontre. Depuis ces moun. Chérie, M. Chargeur, please. Attendez, l'histoire démontre
mal bon approche historique. L'histoire a démontré, noir sur blanc, depuis ces changements sociaux qui inscrit tête li, à travers la prise du pouvoir par une démarche démocratique, réforme, pas jamais accouché, modèle de société, au besoin. C'est moi qui dis ça, moi dis encore. Est-ce que vous entendez? Là. L'histoire démontrée. Est-ce que vous entendez? Connectez-moi. Oui, madame, mais tout le monde. Le montage, je m'appelle là. Parce que vous avez mal dit chaque fois, ça m'a dit extrêmement intéressant et important. On va continuer. C'est parce que mal dit chaque fois, on a parlé, mais il y a résolu ça. On va continuer. Ok. L'histoire, maudlant, t'as des pieds. Et pas l'histoire, c'est l'histoire, non? L'histoire, maudlant, démontré. L'ensemble des pays qui ont adopté. L'ensemble des pays qui ont adopté, ça y aurait les démocraties, voies électorales, pour accoucher un changement ou bien un développement économique, yon dernier classe entre d'abord en bas en Mbouela, l'Occident. Ça, ça veut dire. De pour prendre des marches, yon bagay yon rené, leadership targeting. Depuis nan élection même, yon get un target tout, pour arriver juste dans tête l'État, yon target tout. Parce que en réalité, qui ça veut dire? L'arrivée dans tête l'État par voie électorale, les rouillages de l'État détendent un ensemble de mécanismes qui en place. Et même l'arrivée dans tête l'État, où tu as voulu changer, puisqu'on est inscrit tête ou non cadre occidental, la difficile pour faire changement. Pour qui raison? Parce que premier niveau système, nan, qui c'est dimension géopolitique et stratégique, nan, qui est là dans l'Occident, il y a toujours metté nos situations côté que yon bon ou. Je mette griffe li sou. Mal bon exemple. On prend Paul Kagame, par exemple. Si nous remarquons bien, Paul Kagame a fait un changement en dedans la Cali par voie, il est entré dans l'élection. Mais premier bagage que Paul Kagame fait pour arriver, pour le Kembe, là, c'est un compromis si on fait avec l'Occident. Premier niveau, il faut expliquer. Et c'est un plus gros problème. Et un peu de monde pas prêté, non? Attention. Non? C'est un compromis si on fait avec l'Occident. Et la compromis si on fait avec l'Occident, c'est une raison qui fait que Volkswagen a produit l'autre bois qu'on y a là. Comprenez ça m'a dit là, oui? Honda se produit premier Volkswagen pour vendre sur le marché mondial. Parce que en réalité, qui ça lié? Si on pas fait deal ça avec l'Occident, ou produit long ou produit Volkswagen, la difficile pour vous pour capable vendre produit ça sur le marché mondial. Vous comprenez pour raison? Parce que c'est nèg qui contrôle, c'est l'Occident qui contrôle le marché mondial. C'est-à-dire qu'il faudrait créer espace pour couler. Maintenant, il y a un bagage qui arrive, qui fait aucun bébé, monsieur, l'autre bois qui te fait ça le fait là. C'est parce qu'en réalité, monsieur pas constitué une menace pour l'Occident du point de vue idéologique. En honnête, idéologiquement, ou pas qu'à dire, ou pas qu'à qualifier Wanda, gouvernement Wanda, Paul Kagame, de socialiste ni de communiste. Ce serait une aberration. Parce que Paul Kagame, c'est une dictature que le mettait en place. Mais c'est une dictature en quelque sorte éclairée. Mais pour qui raison l'Occident quitte Paul Kagame mettait dictature ça? C'est parce que dictature là, li en faveur de l'Occident, la produit marchandise d'Occident. C'est normal pour quitter le. Mais du moment que Paul Kagame t'a changé position par rapport avec l'idéologie dominante, qui c'est l'idéologie occidentale, automatiquement, il y a mis un bagot sous Paul Kagame, il y a coincé Paul Kagame, il y a crasé production Paul Kagame, et automatiquement, il y a exclu Paul Kagame sur le marché mondial. Maintenant. Donc, vous pouvez dire que la position qu'elle prend pour l'Occident, elle est bon pour le Rwanda, right? Oui, mais dans le sens que elle est bon pour le Rwanda à court terme, elle n'est pas bon pour le Rwanda à long terme. Raison qui fait le pape Kabo pour le Rwanda, parce que y a une bataille
idéologique. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, le président a monté au Rwanda, il a adopté un comportement, une idéologie socialiste ou bien une idéologie communiste, automatiquement, il a mis un embargo sur le Rwanda. Par contre, je comprends, non? J'avais dit, l'économie Rwanda prévient tomber dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'Occident. Et puisque l'inon situation de dépendance économique vis-à-vis de l'Occident, n'importe nèg qui t'a mouté en dedans, notre tête l'État Rwanda, qui t'a réclamé tête de socialiste ou de communiste idéologiquement, c'est soit ou assassiné ou bien le coffrel économiquement jusqu'à ce que. Est-ce que il descend que t'as pas réclamé tête de socialiste ou bien de communiste? Non, est-ce que c'est ta meilleure bagarre pour peuple Rwanda? C'est pas ta meilleure bagarre pour peuple Rwanda, Den. Qui problème qui gagne si Paul Kagame pour Occident, par exemple? Oui, mais attendez. Le capitalisme rwandais, est toujours. Je ne problème pas. Le capitalisme toujours débouché sur crise sociale. Convenez le coupable. Ce qui est important, c'est cette capacité que le gouvernement gagne pour maîtriser et le contre, et contrôler crise sociale. Ça me dit, voilà. Faites très attention à ça me dire. Capitaliste a toujours porté dans germe li l'injustice sociale. Des fois, du moment que mon élite économique dans la société a, qui t'a manqué, distribuer, mal distribuer ressources pays a, des inégalités sociales, des un paquet de bagages, c'est normal, mon frère. Ou après le trouver dans une situation, ou assister à l'émergence de un courant idéologique qui peut le camper face avec Paul Kagame, qui peut le camper face avec. Pour voir qui en place là pour combattre le capitalisme. Si nous avons un courant de PEP, si un parti politique qui émerge, qui estime que un groupe moun en dedans la société qui va bénéficier de richesses Rwanda, c'est normal. Vous avez une base sociale pour bâtir une idéologie socialiste et puis pour camper face à le régime en place là, au point que vous avez une bataille pour renverser. C'est normal, oui. Parce que le système, le modèle capitaliste, ça ne veut pas dire pour autant que ce modèle. Ça qui pi bon, mais si pas gen moun dans l'autre bois qui pas joine dans richesse là produit, mais son l'élite qui a bénéficié, c'est normal, faut clair sur ça, a toujours gagné des revendications, a toujours gagné moun qui pas satisfait, a toujours gagné moun dans société à cause de l'inégalité sociale. Mais maintenant, comment yon politicien pour exploiter inégalité sociale ça, frustration sociale ça, crise pour capitaliser sous lui, pour instrumentaliser contre le pouvoir en place. Comment on doit faire ça? Pour faire ça, il faut intelligent. Mon cher, je vais parler à là. Haïti là, chargé problème là. Parce que définitivement, moi comprendre et positionnant son position qui est très proactive ou même moi essayer éviter yon apocalypse parce qu'on pense que inégalité sociale y a débouché sur ça quand même dans un futur qui est peut-être un peu lointain, mais pour le moment qu'on y a là, ça m'a dit, selon j'aime comprendre, selon appréciation pam de histoire Rwanda, il paraît que peuple Rwanda, pour le moment, il paraît que très satisfait. Parce que Paul Kagame, pas seulement établit une dictature qui est très productive, mais tout, peuple Rwanda semble remet ça l'établir, il remet ça l'installer, il remet Jean Yab vivre là, il remet Paul Kagame. Oui. Je dis que je comprends des marchoua, mais des marchoua semble de l'inscrit plus. Comme je dis, gouverner, c'est prévoir. Et l'inscrit plus dans une démarche très proactive. Attendez. L'inscrit, le peuple a aimé Paul Kagame. C'est parce que Paul Kagame est pour camper face à l'Occident, mon frère. C'est pas du moment que Paul Kagame a pris position sur scène internationale face à l'Occident, il menace l'intérêt de l'Occident dans un sens ou dans un autre. Pas de Paul Kagame encore, mon frère. Il ne faut pas sous-estimer l'importance. Si je ne dis pas, Paul Kagame a produit machine et qui est Volkswagen. Si Paul Kagame a fait travail ça, faites attention.
N'est-ce pas la pas sous-estimer puissance économique. En regard des cas éléments là, élection de fait qui mettait monsieur là, oui? Maduro. Maduro qui contrôle l'État. Oui? Ah oui, Maduro qui contrôle toute l'institution pays. Oui? Mais posez cette une vraie question. Pour quelle raison ou des misères comme ça l'autre bois? C'est parce que Américain, l'Occident met un embargo sous monsieur. Bon, dis nous, nous toujours bon, on pas comme ça parce que me suivez vous parce que dans l'autre sur échiquier mondial par exemple, moi position versus Poutine, moi position versus Venezuela. Mais moi-même personnellement, moi connais en pile vénézuélien. Moi habitué vivre, évoluer dans côté qui gagne Venezuela, mal visiter Venezuela. En pile fois nous même qui dans l'extérieur portrait tout de was nous peinturé de Maduro. Par contre, ça peut être vénézuélien, well, non? Mais en pile monde, yo fait ouais ça. Yo de sap gade peut-être ça qui nan nouvelle, comme si kap, but vénézuélien yo. Yo pa wè Maduro de très bon, non? Yo fom nou sa, Maduro sont incompétents que liye. M'ba di sa parce que m'a défendre l'Occident, non? Mwen dou sa à partir de conversation, à partir de échange que me fait à des vénézuéliens qui avisés. Ça veut dire quoi ça que nous même m'm nous de ce bagage là bon on parle l'aime nous maintenant ouais ça c'est la tête de OK deux choix là font bonne analyse systémique yeah résoudre d'abord les contradictions internes et puis positionnement au niveau international t'aime bien OK lorsqu'on politicien ou bien deux bagages pour faire. Tout d'abord, résoudre les contradictions internes. Et ensuite, le positionnement de pays ou l'un sur le plan externe, c'est-à-dire au niveau international. Yeah. Sur le plan interne, il faut maîtriser les rouillages de la politique. Il faut qu'il contrôle l'État et il faut qu'il contrôle la classe économique. C'est-à-dire, sur le plan interne, est-ce qu'on va implanter une politique libéral, néolibéral, capitaliste, est-ce qu'on donne ça en jouant? Et puis, de part de là, où qu'on est que l'Ibral créer ce qu'on appelle des contradictions. L'Ibral créer inégalité, l'Ibral créer ça y aurait les frustrations quelque part. Est-ce qu'on d'accord avec ça? C'est premier. Non là. Ou bien, sur le plan interne, gagner des contradictions qui existaient déjà, est-ce qu'on peut dire ça en jouant? Qu'on y a ou choisi une ligne idéologique, dans la ligne idéologique ou prend, ou choisi combattre contradiction interne. C'est-à-dire que, moun qui contrôle les richesses, yo, groupe ethnique kap gomine, moun qui division, yo, tout problème qui gagne sectarisation, ou entrer dans une démarche de l'unification nationale, dans une démarche de combattre les intérêts individuels pour asseoir l'intérêt collectif. Ça lui-même, il prend problématique pour, parce qu'on doit être même mourir dans des matchs avant même ou elle positionne le pays ça sur le plan interne, externe. Est-ce qu'on comprend le mandou? C'est-à-dire que contradiction interne, yo même, yo problématique, parce que ces contradictions internes pour décider est-ce que on prend pouvoir par élection ou bien est-ce qu'on prend pouvoir par la force? Quelle ligne idéologique m'a besoin? Ou bien qu'il y ait une ligne idéologique, je n'ai pas besoin. Ces contradictions, ça a été un autre paradigme. Est-ce que m'a obligé à associer avec l'Occident, ou bien est-ce que m'a préfusé l'Occident montrer en bas avant Poutine à la Chine? Ces contradictions, ça a été un autre qui parle en quelque sorte influencer, déterminer positionnement pays sur le plan international. Est-ce que vous comprenez tout? Des fois, ou pas qu'il y a une contradiction interne qui est contraire avec les intérêts et les enjeux internationaux, et vous pensez que vous pouvez paraître sous scène mondiale là pour camper face à l'Occident, non? Moi-même, ça me souvent, ouais. Pas toujours, non? Souvent. Et m'ba catégoriser tête moi comme un nègre qui 100% pro-Occident. Moi-même, moi, c'est comme si, Jean-Paul l'a dit à chaque chien, il tête boire aux gens au connaît. Vous faites ça qui est bon pour le peuple, tant que j'en suis dit à l'heure. Mais, faut nous sérieux à quête nous. Actuellement là, dans le monde ça a évolué là.
Le communisme en faiblesse, nous clair sur ça. Amen. Actuellement, vous n'avez pas. Mal de bagaille qui clé. Honnêtement. Sous scène politique, là, tenez bien. Sous scène politique, là. Si je suis un nègre, sous scène politique, là, pour me associer. C'est nègre dans la génération. Comment vous avez dit? Qui n'est qui dans la génération? Je suis supposé associer avec pour m'aider pour la bataille. Ou bien pour nous battre pour nous jamais le système. Là. C'est Claude Joseph. Est-ce qu'on comprend avant de dire? C'est des camarades de classe, oui. C'est lui-même normalement qui va camper face à la génération. Comprends ça, Mabdou, non? Non, là. Est-ce qu'on comprend avant de dire? Maintenant, monsieur Guetta a une ligne politique. Il inscrit dans une dynamique interne. Est-ce qu'on comprend? Il est entré à l'intérieur du système. Là. La bataille à l'intérieur du système. Là. OK? Maintenant, si tu as un positionnement réellement vrai sur le plan idéologique, je dois dire, OK, je n'ai pas une idéologie de gauche. C'est soit je suis entré dans Petite Dessaline, est-ce qu'on comprend? Une idéologie de gauche. Yeah. Ou bien je suis entré dans la Valasse. Est-ce qu'on comprend éventuellement là? Mais laisse à tout, je n'ai pas de camper face à Claude idéologiquement, parce que Claude lui-même, en quelque sorte, c'est droite liée. Est-ce qu'on comprend? L'idée ne doit pas être droite conservateur, mais son droite progressiste, dans le sens que il visait. Là, idéologiquement, je ne dois pas être d'accord avec Claude, ou, mais à ce niveau-là, par et de manière idéologique, je m'oblige à prendre un parti pour me battre, mal soutenir tel parti. Maintenant, pour ceux qui ont trait avec la Valasse, si je dis balle gauche, si je dis c'est la Valasse, ou bien c'est Petite Dessaline, je vais le soutenir, ça va dépendre de considérations politiques et possibilités. Pour Green Party, ça a pris pouvoir. Parce que son choix stratégique, il va lier. Je ne vais pas rentrer tête, moi, idéologiquement, en bas, en parti, qui réclame tête, lui, juste de gauche, sans pas, faisabilité et possibilité pour prendre le pouvoir. Parce que si je rentre tête, moi, dans la dynamique, si je rentre tête, moi, dans la dynamique, pour montrer, pour mal changer système de forme oui fine, forme très stratégique, très rationnelle, avec qui est-ce, moi, qu'on est qui a possibilité pour prendre pouvoir, avant mal inscrit, madame. Est-ce qu'on comprend, Mdou? Mais si moi, je suis sur le terrain, moi, ouais, que pas gagné, yon nan, bagay sa ou ka changer réalité à vrai. Pour qui raison? C'est parce qu'en réalité, qui ou dit la Valasse de gauche, qui ou dit de droite, yon tout les dégâts, même boss, ni là, si au Libanais. Mais c'est ça que fait beau salaud de gros parti politique. C'est ça que fait beau salaud de gros parti politique, côté que, wapka, wapka imprimé, wapka mette empreinte tout. Sous lit, wapka jon ou ta remen gouverne, jon ta vle yo ya. Oui, mais si bon sa lyo vina au parti politique, tadem bien. Mais, quel gros problème de financement, blode? T'as combien? C'est gros cause là. Si bon sa lyo vina avec au parti politique, fom jouin, fom bon sa lyo jouin financement. Mais de qui est-ce qui y a contrôle ressources économiques et financières dans le pays ya? C'est même mulatti au Libanais ça que bon ça lui a dénoncé. Des fois qu'on y a là, m'a gagné idéologie, m'a gagné parti politique sans moyen économique. Maintenant si m'a un militant yo, même les militants t'a rien mais idéologie parti non. Même les militants t'a rien mais idéologie parti bon ça là. Mais 80% militants pas travail. 80% pas bon goutte d'elle. Côté militant ka comment militant va faire contribuer dans le financement activité politique mouvement? C'est une raison qui explique chaque parti politique dans le pays d'Haïti. Il a gagné un groupe Milat, il a gagné un groupe Syro-Libanais qui a financé. C'est une raison qui fait que les nègres arrivent président sous tel bannier ou les nègres ont un dossier dans le monde, ils ont tel dossier pour le gérer, ils ont tel dossier pour le travail sous lui. S'il n'a pas un tel dossier, il y a un groupe Milat qui a levé derrière. S'il n'a pas un tel dossier, il y a un groupe Syro-Libanais qui a levé derrière. S'il n'a pas un tel dossier, il y a un groupe nègre qui a crasé. Mais quand tu comprends ce que je veux dire là, ceci étant dit. Le problème avec Apochoua, c'est parce que selon moi-même, je suis comme d'a dit ça. Je ne vais pas dire trop méthodique, mais pour moi-même, c'est comme si. Ou gêta, radical. Ou gêta mette des fêtes là en avant. Moi-même, je ne pas comme Samuel. Mais Samuel, moi, que bon zo. Ou de vous gen bonnes idées. Ou de vous gen bonnes idées, frère.
moun se yon nan moun ki kwe ke l'ajan ap vini. Paske bon mdinou, nou dwe inscrire nou nan démarche pou nou fè éducation peuple a tel point pou peuple la konnen ke yon sénateur, yon député, yon kazek, yon président, c'est l'argent propre pour investir dans lui. Camarade, aux États-Unis par exemple, ou pas aux jeunes qui ont sacré des small donation que bigger donation, c'est une fierté pour un candidat pour nous dire que moi, lui sénateur, parce que un tel te baye 20 dollars, un tel baye 10 dollars, un tel baye 5 dollars, au lieu que nous disons que lui sénateur, parce que Walmart te un chèque 6 millions de dollars pour moi. Ça veut dire ça son éducation pour nous faire pour le peuple là. Surtout dans la diaspora, parce que diaspora a des moyens économiques pour supporter quel que soit candidat que vous voulez. Vous n'avez pas d'éducation. C'est la configuration régime politique qui est problématique encore. Si un candidat, moi-même seul, moi n'ai peut-être l'exécutif, si le Parlement pas pour moi, je n'ai pas de majorité parlementaire, je suis déjà dans le courri, réforme moi, déjà bloqué. On dit, moi président, moi j'ai majorité. Tenez, oui? Est-ce pas peut-être, camarade? On dit, moi président, moi pas j'ai majorité parlementaire. Qu'on y a ou qu'on s'est passé? C'est un parti unique qui a dirigé. Tenez, oui? Maintenant, qui s'est passé? Toute loi a passé. Qu'on y a la loi qui a passé. Qu'on y a. Ce n'est pas loi de passer qui problème, non. C'est appliquer loi de pas le problème. Application. Pour qui raison? Parce que même l'on passe une loi dans la chambre, non. Pour l'appliquer, pour m'instrumentaliser, pour m'utiliser la justice sur l'autre branche. Bon, si vous m'en appliquez loi, la justice, tout juge, milation libanais, système de contrôle. Comment vous faire appliquer ça? Si. Gogo, c'est pas bon là. Si. Ça veut dire, faut que tu contrôles tout appareil l'État en général. Et l'homme qui contrôle tout appareil l'État, là, ou déjà qu'on aime qu'on a une dictature de parti, c'est-à-dire son parti unique qui a dirigé. C'est-à-dire, ni la justice non même, ni le parlement non même, ni l'exécutif non même, nous avons même idéologie, nous avons même vision, nous avons même programme politique. Mon cher là, je ne vais pas mentir, qu'on y a là, ça y aurait les groupes qui va anti-changement, yo pral utiliser yo quatrième pouvoir contre moi. Aïe, aïe, aïe. Comment on fait? Je ne vais pas dire que vous ne pas attendre. Je ne vais pas dire que vous ne pouvez pas ça dans l'oreille. Prends pouvoir par tous les moyens, après ça, on change tout le système dans le net. On met les gens ouvrés, on fout ça dans la dictature. Si c'est l'élection, on ne peut pas. Vous faut prendre par élection, vous prenez par tous les moyens, l'offre ne prend pas de nous qui me dit ça. L'offre ne prend pas pouvoir pour nous là, ou institution dictature progressiste, côté que vous mettez le monde qui est capable de faire travail là. Quand vous soulevez le même problème, camarade Lolo, compatriote Lolo de soulevé, à qui est-ce ou besoin de bon côté? Camarade, quand vous avez là, qui soldat vrai ou qui bon côté, qui ne peut pas le trahir devant? Ou, pour le mec, avoir autant qu'un leader, ou aller trop de toute contrainte, que, de toute éventualité, yo, à tel point que, les vins fait comme si, ou, selon moi, ou vins pas voulu aventurer. C'est pas que le risque pour Dieu pas existé, non? Mais, politique, là, ce sont des risques calculés, vous voyez. Mais, moi-même, mais ça me peut. Me peut comme si, non, pour un coup tellement méthodique, ou tellement prévoyant, ou vins. En jeu qu'on dit yo existe oui mais yo ka ou bien yo ka fait comme ça tu yo ka pas fait mais selon moi sou rete seulement à penser de contrainte tribal gagne sou fait tel bagaille à bon compte tu toujours là selon moi même c'est poté bourrelier c'est aventure reproche que faire ou trois méthodiques me servi de l'histoire parce que gagne des erreurs nèg qui plus intelligent yo fait déjà yo payer conséquence là. Est-ce qu'on l'a vu? Moi là? Tu me suis comme un bagay. Si Goïta, si yo assassiné, si la France a assassiné Goïta au Mali, faut Goïta gon la relève, si la France assassiné. C'est ça. Tout ça Goïta fait là, c'est caca pour lui. D'accord, d'accord, vous.
Mais est-ce que vous pensez que c'est de ça seulement Goïta pour Goïta pour prendre le pouvoir et espérer que lui mette en position pour ne pas assassiner? Mais vous pensez de si vous assassinez qui est si bal prend et puis des fois il pas aventuré. C'est non, 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 parce que chaque idée qu'on gagne, je trouve que vous très bonne, mais moi qui toujours venu avec une excuse, on ne peut pas aventurer. Je vous explique, il faut réaliste. Qui sens ça Goïta fait là? Après le gagner? Si, dans le futur, yon ta assassiné Goïta, et puis automatiquement, la France mette yon moun pali nan place Goïta, kon fin assassiné, et puis automatiquement, moun pa Goïta réouvri pays à la France. Mais dans toute politique, depuis le monde, ça en jeu, ça a toujours existé, oui. Li pa en bagage du nouveau, non? Est-ce que ça va empêcher de prendre pouvoir? Est-ce que ça va empêcher de prendre pouvoir? Est-ce que ça va empêcher de prendre pouvoir? Pourquoi ça t'explique? Pourquoi ça t'explique je ne veux dire qui fait Maduro là? C'est parce que Chavez t'a une idéologie. Chavez t'a dit oui, Chavez t'a une idéologie. Chavez t'a un parti politique. Il mettait en place yon dynamique et puis il fait la relève pour préparer. C'est ça que l'ex Chavez mourit, t'a gagné 10 si Chavez qui t'a gagné là. Avec parti pour Kembe, journée aujourd'hui là, Koto Wè et monsieur, malgré les contraintes, malgré Venezuela, des contraintes Occident, mais où est les sur le plan interne, ils résoutent le contradictoire. Sur le plan interne, ils ont contrôle l'appareil l'État. Sur le plan interne. Non, mais vous avez fait ça, Chavez, vous avez créé relève là. Vous avez créé relève là, Chavez, vous avez fait là. Relève là et Chavez qui te fait là. Mais on a fait le problème. D'accord. D'accord, on va créer l'élève là. Mais plus gros problème, je me disais tout à l'heure, pas suivre l'analyse là. Plus gros problème, c'est le premier niveau. Hein? Premier niveau, Chavez et Venezuela là, qu'on y a là. Ce n'est pas contradiction interne, non? C'est qu'on y a là, positionnement idéologique sur le plan externe, international. C'est-à-dire, il faut se profiter de l'enjeu et de balance de pouvoir sur le plan international qui pour jouer en faveur. Depuis balance internationale là-bas en favel, l'a toujours été résoudre contradiction interne yo, peuple a toujours un grand goût souffri parce que l'Occident a toujours metté dans situation pour coffrir. Il a dicté les normes quand même. Et c'est ça qui rive Kiba, Kiba résoudre contradiction interne, mais sur le plan externe, yo met en bagou sous lit qui fait que le pas jamais arriver connaît ça ou le développement. Ça veut dire elle était dans niveau le rete là. C'est ça qui vivait, c'est ça, oui, c'est ça qui vivait et Kim Jong-un et Corée du Nord. Corée du Nord, il résout contradiction interne, but still, il est toujours dans situation côté que pour le jeune manger, il faut le tirer des trois missiles. S'il pas tirer des trois missiles nucléaires, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de corps ni de manger par la Chine. Troisième pays, Mabaou, qui presque était tombé dans situation ça. C'est ça nous les pays tant que l'Iran. L'Iran lui-même, il met un régime. OK, il met un régime sous pied. Il y a Ayatollah, mais régime islamique ça, République islamique ça le met sous pied. Ou pour aller que situation l'Iran obligé développer des liens avec d'autres pays non seulement avec la Chine, tant que mais il joue aussi sur une dynamique pour influencer positionnement sur le plan externe. Il y a des armes nucléaires avec toute la pression que la. Exactement, parce qu'il y a des armes nucléaires, mais ou bien, il n'y a pas qu'à déterminer est-ce que l'Iran a des armes ou bien il n'y a pas des armes. Mais Chantage a toujours là. Si on m'aide, je vais foutre faire parce que centrifuge là, tout le bagage là. Depuis on m'aide, je vais faire. Mais on va faire Chantage. Que la chantage. Voilà, au cas chantage. Mais tant de petit bagage. Qui Venezuela lui-même, ça fait pas porter de bourre trop sur Venezuela. Venezuela n'a pas la faire chantage avec ce gaz là. On comprend, qui est un bagage ou qui est un mot pour faire chantage. Mais en Haïti, brother. En Haïti. Ça ne commence à identifier qui ça nous gagne pour faire chantage. Vous pensez que nous gagnons pour faire chantage? Ah ouais, bon, et dans touriste, nous allons laguer quoi nous l'autre si maintenant. Bon, et dans touriste, vous dites. Zambim, mal d'un petit bagaille. 80% peuple n'a pas qu'on lit. Deuxième bagaille, pour apprendre qu'on est frère, m'abdou ça. Ouais, touriste, l'élite
L'élite n'est qui soit 10% n'est qui soit 10 ans qu'on lien dedans payant c'est tchoul blanc ou yo blodé frèm nèg tellement besoin pouvoir yo obligé conformer yo avec l'Occident pour yo aller dans élection si nèg nan tête green qui intellectuel là pas bon goût dans moudal non partisan si nèg nan tête green nan qui nan lou nan bagarre là pas bon peine dans d'elle non blodé c'est ça te fait avant même li monter dans pouvoir. Yo qui t'en prend depuis en bas, yo concocté de kingmaker, n'est qu'à faire king en dedans pays. Yo obligé prend yo, yo bay cob, yo metel, et puis l'arrivé au pouvoir. Konya ki sa le va le faire? Il va le faire un bagaille pour peuple là. L'elle va le faire bagaille pour peuple là. Li poko 1000 lat la poko manger, li poko rentrer cob li t'investi dans ouan. Si au Libanais poko rentrer cob li t'investi dans ouan, et puis konya on va parler des peuple, on va parler des on va faire changement, ça arrive ni Aristide. Ça arrive ni Aristide, ça arrive ni Jovenel, ça arrive encore, l'après arrive encore. Tout autant nous pas comprendre que faut nous résoudre contradiction interne ou pas qu'à faire mettre dame avec mettre système non. Moi même moi dis nous ça, les politiciens haïtiens traditionnels yo, gen deux catégories là-dedans. Gen un groupe qui choisit propose yo bon, yo pral pour pouvoir. Gen un autre groupe qui dit bagarre la janvier, mais là où il vient en tête l'État. Yo naïf, là où ils tête l'État, yo saisi. Où est qui ça qui l'État? Comment l'État fonctionne? Quand y a yo dit on va changer fusil au dépôt, c'est là ça yo ouais qui longue mouda coulève là. C'est là ça yo ouais qui ça l'État pétion. C'est là ça yo ouais dans qui situation yo prend. Get quoi? Qui ça moun en fait? Li gen deux choix. C'est soit li conforme à système non, li accepter jouer système non, même j'ai avec Aristide. Aristide obligé conforme. Aristide prend des coups d'État. Il est obligé à entrer dans le jouet là, il est obligé à entrer en bas contre Clinton, il est obligé à parler avec tout le monde. Il est obligé! Parce que est-ce qu'on pense que la dynamique est là, tant que dans le temps, dans les années 80, même 90, même, comme si pour bailler un président actuellement en Haïti, un coup d'État pour un pouvoir? Est-ce que ça est possible selon vous? Ça vous Jean-Goy t'a fait là, au Mali? Oui, mais ça va dépendre de qui rapprochement géographique ou bien. Bien. Tout coup d'état qui fait dans l'histoire pays d'Haïti ni Amérique latine, c'est toujours. C'est pas Jean l'Orient qui fait. C'est pas Jean gauche qui fait. C'est toujours États-Unis qui fait. Deuxième bagage, on bagage pour mal de là. Tout coup d'état net qui fait en Amérique latine, Caraïbes, c'est seul Américain qui fait. Parce qu'il n'y a pas de pays. Qui va vivre pour un coup d'État dans l'Amérique latine sans aval américain. Jamais. Même j'ai pas parlé toujours un président dans boule figue. Même j'ai pas parlé toujours un président dans boule figue américain, ça le pas connaît. Mais c'est coup d'État lié toujours, oui, c'est ça m'dou là. Non, mon cher, attendez. Nego, ou m'balle nous bagay, nego pas défi américain comme ça. Y'a qui t'a dégagé ou bat à André ou après son cabinement de ou aide. Comprenez bien? Il y a qui t'a bataille entre où après ça ou ka vin mande yo aide ou ka mande la Russie aide ou ka mande la Chine aide mais nèg sa yo papa yo pa vini non monsieur dit accepte Kiba non Kiba c'est américain encore qui te financé révolution qui coup d'état Kiba oui c'est Batista oui c'est américain oui t'es vidé Batista c'est après oui. Les Fidel Castro a fait chantage avec Américain. Américain a fait caca à les mondes. Fidel Castro a traversé l'Algérie Che Guevara. Et puis automatiquement, Che Premier, et puis là, il l'a socialisé. Maintenant, ça, non? Alors, il faut nous clair sur ça, oui, sur Bagaza, si nous ne sommes pas d'accord sur eux. Et c'est une raison qui va le faire que Che Guevara va le mourir. Parce que le Che Guevara dit Fidel Castro, il faut que la révolution s'exporte. Fidel Castro dit, non, moi, mais moi, j'ai un pays, m'a géré là. M'a bon ressources, m'a bon des hommes. Mais moi-même, m'a dans la logique Amérique latine. Non. Et c'est ça cause. Fidel Castro, journée aujourd'hui, hein, a payé pour casser économique. Là. Si Fidel Castro t'écoute Che Guevara, pour te propulser révolution en Amérique latine, non. Quand y a Fidel Castro, t'as besoin d'un grand pays tant qu'il y a un rapprochement idéologique avec elle. C'est pas celle Venezuela qui a gagné, non? Pourquoi? Parce que là, tu dis, monsieur, yo,
Moi, je suis libérateur. Je ne suis pas venu pour me chita, pour mon poste politique, pour gagner la dot. Moi, je crois pour nous libéraliser, libérer toute Amérique là. Puis, finalement, je ne suis pas géré le pays. Pas de même. You on your own. Bon, dégagez-vous. Soit besoin de ma barre. Eh bien, c'est la même monsieur qui est venu voyager quand il y a là en Algérie. Monsieur, tellement tu as besoin de bagaille. Il y a mon qui ne comprend pas. Monsieur, allez juste en Algérie. Oui. Pour la oui. Oui, pour la faire révolution ça. Alors le problème qui se pose, c'est que et problème qui gagne un partisan, il m'a dit ça, où est camarade Lolo a fait un travail et on supporte monsieur non en certain sens, un travail qu'a fait. Ou pas comprendre, ou pas une impression. Zamim, classe politique nous gagne là, nèg corrompu en pire. Bon, Lolo dit ça. Zamim, ça que Lolo dit même c'est rativoisement total, révolution totale, pas gagne à faire ça mieux que l'autre, parti ça mieux qu'on l'autre, lui même il croit dans Où est classe politique ça là, Zamim? Classe politique là. C'est soit ou accepter li nan même vie livio, même vie recette yo gagnant. Jean Wayoye à la depuis 1986 là. C'est soit accepter jouer ça pour yo bon passé ou bien yo fort comme pou. Toi je jette la salle. Zamim sou pa jette la salle ou chire oui. Tendez, premièrement, faut que tu mis la peau. Tendez bien, faut que tu mis la peau. Faut que tu si au Libanais peau pour financer ou pour Botico. Bon, ça déjà premier problème. Deuxième problème, faut gagner, faut proposition mon clair par l'Occident. Est-ce que ou pour l'Occident? Est-ce que ou pour Américain? Est-ce que ou pour Washington? Est-ce que comme fait-il voyage vin États-Unis? Qui grand sénateur ou bien avec? Qui grand député États-Unis ou bien? Tout ça, yo, déjà compromis. Mettez à zéro le fait que nous vivons dans cette situation. Ça. Mon cher, ma connaissance n'a pas ajouté ton dernier grand bagaille? Non, moi, allez, mon droit à quitter, changer de très bon. Salut chaque grain, moun qui t'a regardé là, c'est un petit échange improvisé que l'aime pas planifier, ni professeur pas planifier non plus, ni m'a prétendre que m'étais dans niveau John Westedelva qui t'a fait débat, d'ailleurs pas même sujet nous parler de toute façon, mais quand même moi t'ai rempli le âme content échange là et m'estime que ces bagages ça de fait plus souvent. Et prochaine fois, on a une chance prendre l'autre invité, l'autre monde qui gagne peut-être bagage constructif. Peut-être plus bon malade que moi toujours. Mais d'un coup, j'en m'en là, Kembe là. Moi-même, m'en ça carrément. Moi tellement remè débat, malheureusement, que problème pour moun pas entièrement d'accord avec. Parce que ça débat, sou d'accord avec qui débat. Qui débat que vous faites? Bon, vous êtes d'accord avec déjà. Nous entendons, nous sommes. Débat contradictoire, bon pour société. Sans moi, ma voix fait là, échange que nous avons fait là, nous avons éduqué jeunesse là que, hey, Jude Céleste n'est pas obligé toujours d'accord avec Lavoisier. Lavoisier n'est pas obligé toujours d'accord avec Jude Céleste. Mais nous avons fait échange dans le respect l'un pour l'autre. Et m'espère que chaque grand monde qui l'a peut-être te bénéficier de cet échange ça. Et Mabdou Kembela, on fait mon travail, on va éduquer la jeunesse là. Moi-même, je voulais pour chaque nèg tan kou. Nous devons activer la politique, pas arrêter comme si seulement former les jeunes. Moi-même, moi encourager bon salut pour former en parti politique. Moi, c'est un homme qui croit que vous avez fait plus de changements en dedans que dehors. Ça, moi-même, faut bon, ça de parti politique. Ça, c'est position pas, c'est opinion, d'accord. Yes. Va respecter l'opinion. En tout cas, merci quand même du fait que vous, mon cher, vous faites un travail colossal. Vous faites un travail colossal et ça montre en quelque sorte des capacités parce que vous, ou pas dans le grand, vous posez des questions tout à fait intéressantes, normales, et tout le monde est capable de dire que vous avez bénéficié de ça, de l'échange. Merci en pile et je vous la prochaine fois. Nous avons une chance, une opportunité encore pour nous faire un travail comme ça. Merci en pile. Ok, respect. Salut tout le monde. Bye. Oh. Et nous avons des camarades Jude, bien entendu, qui te répondent et nous espérons que nous te jouons malheureusement. Et camarade la Patripon, et camarade John Wilson Delva, peut-être que le Tégué doit faire face à une situation. Bon, ça n'a pas dérangé nous. Nous espérons que s'il y a un inconvénient, que nous sortions dans la situation d'ailleurs ou bien difficulté de la rencontre. Et puis tout, peut-être que nous avons fait ça pour l'autre fois. Moi, remets nous en pile, c'est un plaisir pour me avec nous. Kembela, salut tout beau, salut. Campé Boumelier, ne pas décourager, n'a pas avancé, n'a pas bataille. Passez bonne soirée, bon après-midi, ciao!